UBC, UBC, Université Belgo-Congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du troisième cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088 UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le Centre Belgo-Congolais. Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Penseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboïna Matongé et Salaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Tenabino balandi ya bosolo télévision libaku malamu tozui ya kolobaliso lelo na après-midi. Merci pour la confiance, pour la fidélité au bozole mbate ko talisa epai na biso na tombe libino bolandi bolamu na zoli ki ete bozana kimia na mabota na bino. Alors deuxième partie ndenge na nosa ki première partie zaki avec madame Barbara Nzimbi, porte-parole à Joseph Kabila, Awasika Botozu, Ami Balé, Toloba qui a déjà débat, et si toi, Nosa qui a Tokotika la Mingi na Makambouetali opposition après élection, Tokolobe la sortie à Cardinal Fridolin Ambongo, na Augustin Kabuya, Tokolobe la paix nomination, et à Premier ministre Batia Kilobi, Mama Oyo, Batouba Sepeli, Batoupe, Basepeli, te Bavi et Zali partagé. Eveza Radio T, Tozali en direct. Je vais prendre les informations du jour. Ben, information évoluée jusqu'à présent, à moins que Jude amène d'autres informations. Mais à ce stade, Félix Tshisekedi nomme Judith Touluka au poste de Premier ministre. Sama Lukonde, Judith Touluka fera une bonne successeur. 64 ans après l'indépendance, Judith Touluka, première femme à faire son entrée à la primature. Les gouvernements notent la satisfaction de la population consécutive à la résolution pacifique du conflit Tekeyaka. Justice, corruption des agents de l'IG FARDC. Le lieutenant-colonel Ngoïka Tengo Géry écope d'une peine de 4 ans de prison. Détournement de 24 millions de dollars. Lazado et l'ODEP accusent la ministre de la Justice de bloquer ces dossiers. Législative au Sankourou, au moins 9 des 25 députés provinciaux invalidés
par la cour d'appel Gaza. Plusieurs personnes travaillant pour l'ONG World Central Kitchen tuées dans une frappe israélienne. Guinée, les textes constitutionnels retardés par la dissolution du gouvernement. Pour terminer, Burkina Faso, le gouvernement de la transition prolonge d'un an l'ordre des mobilisations générales. Allez, on est en direct. On va parler de l'actualité politique. Serrez vos ceintures. Tous les coups sont permis pour aider ce pays, Kendali Bosso. Pas de complaisance, pas de plaisanterie. Nous allons réfléchir. Chacun est libre, mais Togoutigala n'a pas norme d'une manière équitable. Alors, Yves Mouekassa est avec nous. Presse Epeng est de retour. Bonjour et bienvenue, Yves Mouekassa. Bonjour, Sango. Et ça aura toujours plaisir que retrouver plateau, yo, peut qu'on retrouve un million de Congolais dans mon kilimo bimba, ou bah, peut s'arabiso, privilège, y'a qu'on l'anda, ou psos ali koloba. Très bien. Allez, n'a gambo na yo, tozana, Prince Epenge, président y'a ADD Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Sango. Merci pour l'invitation na yo, na pesimbote na ko débattre na ngayi, na pesimbote na ba ibans, ba kolanda émission oyo. Évidemment, vous l'avez souligné, ça fait presque une année. Nayakasuna plateau n'a ôté, c'est passé ce qui s'est passé, mais on a fait en quelque sorte la paix des braves. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc nous reprenons pour continuer à informer, à partager ma canisse. Le choc des idées jaillit à la lumière. Et c'est un plateau important. Voilà pourquoi j'ai fait mon retour. Et donc, merci encore pour cette invitation. Très bien et bon retour à Prince Epenge. Allez, on est en direct. Prince Epenge, une année. On va parler de l'opposition. Alors, ben, on a bandana yo parce qu'il fait ça de l'opposition. On a tout le temps mis tout le temps là. Tout le temps, on a pas là. Alors, les lots opposition sont situés en Goa, puis après élection et à 2023. Opposition, ils en ont là-bas, quasi inexistante. Opposition presque oubliée. Opposition, ils ont au Canada. Analyse Nayo, où est-ce qu'on peut situer l'opposition aujourd'hui? Alors, si les plans théoriques, Togoloba, opposition. Opposition, dans le sens où, on a pouvoir, on a majorité, on a contesté la manière de gouverner, la méthode a utilisé, on a opposant. Mais si les plans pratiques, normalement, ils ont à l'issue à l'élection démocratiquement organisée, de baye baga ou yézali opposition, ou yézali majorité. Et je peux vous le dire, et ça c'est la vérité, que na ici à l'élection à 2023, ou yézali qui est organisée pendant 7 jours et 7 longues nuits, on ne peut pas considérer qu'il y a eu un vainqueur et il y a eu un vaincu. En effet, dengue ba règle démocratique et singi peuple ndé ali mo konsi peuple nda kabula ka pouvoir to ke ina ba élection o ali malam peuple a poni groupe ya batu mususu ba kota na majorité ba kamba ekolo ba gérer makambo naye pe parti mususu a jugé bango été ba stika na opposition ba continuer ko miri ba ide na bango mais le lengue élection salamaki on peut pas dire que moi Prince Epenge j'ai perdu. On ne peut pas dire que mon candidat a perdu, on ne peut pas dire que Katumbi a perdu, Fayulu a perdu, que Félix a gagné. Dans ces gigantesques désordres, au cas de m'organiser, et le bas papa cardinal Mbongo, ces gigantesques désordres ne peuvent pas nous donner un vainqueur et un vaincu. Donc moi, Prince Epenge, je ne me sens pas vaincu après ma élection en Dengwa. Les élections de la honte. Hein? Tu sais que tant que ça m'a manqué d'analyse comparée, ce qu'on tient en relief au Elekina Sénégal, Attaque Badaki a 7 millions d'électeurs, on tient un relief où il est na Congo, toute proportion gardée. Vous avez l'impression que le Congo est tout ça sous-homme. On vit à chaos, on a mon aki na kena qui tambo à boye, na qui tambo magasin à boye, ma machine est au coup à 17h. Je me suis demandé, mais ce que Zaki n'a pas sans je peux comprendre, mais à qui tambo magasin ici. Et j'arrive à Barumbu ici, ma machine à Barumbu, ma mère, on a qui tambo. Oui, à qui tambo, tiens, on a Barumbu. Et c'est à 16h que bazu machine baro ya kitambo bazong se on a kitambo ou ya barumbu ba longo kitambo bazong se on a barumbu. Une telle élection me dit que non à l'issue à l'élection d'Engwana yo opposant ou on a majorité. Non, c'est comme ça que nous disons quand on connaît ce qui s'est passé, faut que tous à la humble. Sigo Bozawapi. Où se situe l'opposition? Non, je vous ai dit si le plan simulacre tout ce que vous voulez évoquer,
on est à constat, on est à analyse. Mais à l'ère actuelle, parce que Tshisekedi a déjà prêté serment, Tshisekedi vient de nommer premier ministre, Tokoloba tout à l'heure, sujet Nangoué Kouya, à ce stade ici, où est-ce qu'on peut vous situer? Non, Sango, le débat n'est pas à ce niveau-là. Oui, bien, Namboko, Mouze Kabila, il y a voté qu'il a été, mais Mouze a été appelé chef de l'État, tout bien que chef de l'État. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir par une succession quasi monarchique en 2001. Il y a voté qui est? Vous t'inquiétez, mais tu es le président. Félix Tshisekedi vient d'organiser les simulacres d'élection. Il s'est mis au pouvoir. Qu'on le conteste ou pas, il est là. Là n'est pas un problème. Naza Kosa l'analyse, on a pris un global. On a deux paliers. Palier, on a bien dit pratique. Si le plan pratique, tu as bien dit opposition, ce qui est normal, parce qu'on a pouvoir. Au bien dit Félix, n'a pas tenu majorité, parce que Bazak Odige, effectivement, ils ont l'impérium. Mais théoriquement, ça c'est théoriquement. Sur au tali très bien, au comment on a été Makambo et Salami, le Lengue et Salamakate. Mais si vous voulez savoir où nous sommes, nous continuons la lutte de Congo. Ngaïna, Lingomba Nangade de Congo, là je suis en train de faire une tournée, na Bilengue. Nous continuons à dire aux Congolais que vota qui pour un changement en 2018. Naba il ne se prononce à qui? Vota qui réellement mouto le Lengaki? Et à la fin, Kabila a changé de volonté Nabino. Tu es en 2018, espoir est acquis, mingi en 2028 plutôt. Tout le monde en 2018, tout comme en 2023. En 2023, Zaki a volonté à voter. Malheureusement, Nanga a fait ce qu'il a fait. Il vous a empêché de voter. Il a organisé les élections presque les plus longues d'Afrique. Il a distribué plus de 13 000 machines à ses amis, au cas de l'Union, etc. Là encore, on a saboté à nouveau votre volonté. Mais la lutte doit se poursuivre. Nous nous organisons. Le lobby qui est posé à Koyokanate. Koyokana opposition, bon, vous savez, nous sommes habitués. Et ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute. Mamboka Oyo, opposition Tchaba marche presque chaque mois. Opposition. L'opposition très faible pour le moment. Fayulu est resté presque seul. Il y a Makamounio se bandit d'abord dans Makambonabino et à Kokende dans ma ponomi. Bozaki na difficulté. Nangi tozong elangote, mais je suis obligé d'en parler. Non, c'est important. Bozaki na incapacité. Il y a Robimisa, un candidat commun. Tout le belango na cadre à nostalgie. Pour la intérêt égoïste, pour la intérêt mesquin. Bozaki incapable de repérer ça. Un candidat commun de l'opposition. C'était déjà là la maternité à faiblesse où ils ont s'est constaté aujourd'hui. Et au fur et à mesure, toqué après ma élection, vous allez voir que bateau, vous allez avoir une opposition, le col à matata en pognon, qui était candidat, mais qui a soutenu Katumbi, aujourd'hui, se retrouve dans le pouvoir. Et tant d'autres, même battu à Katumbi, dans le cadre de la GO, binonde bobimba perdant, tu es bien que Penga n'a pas postulé, tu es bien que Penga cause la candidat, paix probabilité, Penga gagné, élection, et Zalaki, l'élo n'a pas mousa, binonion, obokoza la honorable, tikalindoto. C'était vraiment une bourde de votre part d'avoir refusé au Kenena Maponomi, alors que vous avez eu l'occasion de faire un pour la Mongongo, pour l'Assemblée nationale, pour la OPS, sa population, pour ça, la Baronne de Barombalingi. Alors, Nalingi n'a pas la factuelle, Nalingi n'a pas de fait. Et à Liboso, c'est vrai, il y a peut-être des choses à redire si le lingue opposition est à la qui. Parce qu'il y a opposition, opposition. Vous voyez que pouvoir appeler à Fabika Boposa n'est pas Kotsi Bango dans l'opposition. Pouvoir pas appeler ça car tout le monde a qui le col à balé qui n'a pas sur le col à Mutamba. Au collège, ça n'a été que Mutamba aux opposants. Mutamba, c'est qui jeune kabiliste. N'est-ce pas comment il se dit, yo, yébi, ouais, journaliste. N'est-ce pas pour bengi opposant, vous yébi. Vous yébi, n'est-ce pas Mutamba, et que Kotsa Batunabio a séni. Ça me rappelle un peu les scénarios de Zalaki na San City, Toké na San City, et puis Babimisi Zahid Ngoma, l'idée opposition politique, alors que Tien Sikidou Amoun Bazaki vivant. Ça a toujours été comme ça. Et je ne vous apprends rien. Mais parlons d'abord, Ikamboya, faiblesse, il y a opposition. Non, opposition, comme je l'ai dit sur le plan théorique, vous allez m'appeler opposant. Faiblesse opposition, c'est à quel niveau? Et qu'est-ce qu'on appelle faiblesse opposition? Parce qu'il y a un moment où il y a opposition à la démocratie, c'est à quoi il y a opposition à la démocratie, c'est à quoi il y a proposition. Et dans le cadre où il y a nous avons rempli notre part de responsabilité. Nous avons joué notre partition avec maestria. Regardez, Tobandi 2018, Fayulu a gagné l'élection au Lamé. Kabila a dit Félix est imposé.
On a dit que Tumbambo Kate, toi sage, tu as utilisé la sagesse à Salomon. Nous voulons que la réforme soit engagée. Dès 2018, tu as bandit que la réforme. Et comme la situation à Malonda, on ne l'oubliera jamais. Tu as dit que la marche à la Moka Tobi, tu as dit Malonda, parce que tu as dit l'élection de Kamalam. Même l'idée, peut-être pas à marche à qui. Tu as dit la proposition, il y a loi organique si la CENI. Opposition, Moussa Nango Yangwana. Pourquoi tu as réformé CENI? Voilà l'idée de la réforme à CENI, Félix Aboué Yango. Tu as dit la proposition, si Makamboya, le lingue de l'élection de Salama, notamment le calendrier électoral, Félix Aboué Yango. Tu as dit la proposition, il y a Maye Matali, le lingue nini Oyo, Konsasi, c'est Sengele Salama. Pour la tête, tu as terre et malam na bureau ya seni. Félix Aboué Yango, il a même dit que ce qu'il fallait le alingi à qui na parlement. Bref, Moussa le opposition yangwana. Kende kota na bashi va IDPS. J'aimerais ici que vous m'appelez. Je vais prendre même depuis 2011. Tant qu'on déco Jacques Chaban la secrétaire générale IDPS. Combien de propositions biso opposition face à Kabila? Parce que très souvent, on fait comme si le Congo commence à exister avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Non, on ne fait jamais la politique sans histoire. C'est la boussole d'ailleurs pour un politicien. Combien de propositions par écrit au IDP, ça sera tant en opposition sous Mobutu. Qu'est-ce que tu as archivé partout? Il n'y en a pas. Proposition bonio, opposition, et tiens, Tshisekedi Wamulu Mbada Félix, Basali, Tango régime à Kabila Yali. Par écrit. Je me souviens seulement. Que tant que Zaki, je me rappelle que tant que Zaki n'a pas ensemble. On doit évoluer. Non, non, je termine. Tant que Zaki n'a pas ensemble, nous avons une proposition pour la recomposition, il y a coup constitutionnel. Mm. Oui, voilà, tout ça qu'on n'a pas écrit. Mm. Mais nous, on a fait des propositions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faibles. Mm. On a fait ce qu'on devait faire. Mais ce qui est en face de nous, comme Félix Zaki, irréversiblement, dans la logique qu'il y a faute, Félix a tout rejeté. Mais si nous étions en face d'un pouvoir qui réfléchit, un pouvoir qui a besoin que ça avance, on allait nous écouter. Au point où, mieux c'était de proposer à qui, bah, Kataki Yango, on s'est retrouvé, dans le bureau à CNU, il y a 7 membres, tous les 7 membres, il y a union sacrée. Donc, on ne peut pas dire que l'opposition est faible. Ça, c'est un fait. Et pour Nakoloba, bon, posant sur le bah, pouvoir, c'est de leur droit. On avait aussi nous, constaté à un moment donné, Fayoulou qui s'est disposé à travers Kassé quoi. Tolanda qui a lobby Fayoulou Azali prêt à retravailler à condition Makambo et Zalaka pour un intérêt en Mboka. Est-ce que ma tractation en Fayoulou pour la disponibilité naïe y a qu'au travailler pour Mboka et Zalaka t'il est long? Tolanda qui a prêt. Alors, je ne sais pas, on dit que toute interprétation est une trahison. Je ne sais pas si vous interprétez bien ce qui est notre ancien député. Vous avez la noble responsabilité de corriger s'il le faut. Encore une fois, je vous renvoie à l'histoire de Kosango. Nous, on reste cohérents et honnêtes. Je suis porte-parole de la coalition Lamouka, président de la DD Congo. Na 2019, au mois d'avril, Tango Martin Fayoulou a tché na Mesa proposition à sortir à crise. Allez, à cette période-là, moi, papa Bokundoa, mon akaba sango, à Tinaka, l'Union africaine, le bac était au vu en dengue de l'élection de Kimabe, n'a pas les formes à l'engager. Et tant que le bac a les formes à l'engager, on n'a jamais exclu, pas de travailler avec Félix Tshisekedi, attention, mais on n'a jamais exclu de discuter avec Félix Tshisekedi. Même Kabila, auto-qualifierait de Rwandais, on n'a jamais refusé de discuter avec lui. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne discute pas avec Félix Tshisekedi, dès le moment où, quand il y a un problème, Nakati Amboka, la paix ne se fait qu'avec l'adversaire, pour ne pas dire avec l'ennemi. Donc, on avait dit, et c'est ce que Gassé Kouadi dit, que nous sommes prêts à discuter avec Félix Tshisekedi. Mais discuter de quoi? Ce n'est pas pour devenir le ministre de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas pour devenir le premier ministre de Félix Tshisekedi. Mais parce que nous voyons l'intérêt du pays, comme en ce moment, où le pays est en lambeaux. Regardez très bien, si on est conscient, à moins que les nouveaux riches de l'Union sacrée, apparemment, l'argent rend un peu zinzin, et les gens n'arrivent pas à voir la réalité. Le pays est en volo. Ça va dans tous les sens. Socialement, économiquement, et sécuritairement, dans tout le domaine, ça ne va pas. Et nous disons, si on peut s'arrêter pour dire que non, pourquoi ça ne va pas, s'il faut engager un débat entre Congolais pour qu'on puisse parler de où se trouve le pays, où allons-nous,
nous pouvons discuter avec Félix Tshisekedi, pas qu'avec lui et avec les autres acteurs qui comptent. C'est ça ce que Kasekou avait dit. C'était mais un dialogue. Pas que Fayulu ou Bengango, le commandant ministre Félix. Sous forme d'un dialogue voilé. Et Bengango dialogue, Bengango a parlable, Bengango cogitation. Le plus important, c'est que les Congolais se parlent entre eux. Très bien. Allez, Mouekasa, vous avez suivi une des Gualobi. Je voulais avoir des informations sur l'opposition après les élections. Est-ce que Tikali Lettre est morte? Est-ce que Koki est vide? Est-ce que ça existe encore? On peut espérer avoir contrepoids à niveau de la gestion et en Mboka. Bolandi est tout à l'heure, Nenga s'est justifié autour de cette question. Et puis, la disponibilité de Fayulu, pas voir Tshisekedi dans Katimine à titre individuel pour parler et avoir des intérêts égoïstes, non. Mais c'est plutôt pour régler, par exemple, la question de l'Est, la question économique, mais et cause à la table et ronde au Batonius Bako participer. Votre lecture. Merci, Sango. Nalandi, co-débatteur Nangai. Moni, les Kambouitali, opposition, tikanazon anon na moba fondamentaux. Opposition est une nécessité dans le cadre d'un régime démocratique. Surtout dans le cadre d'un régime parlementaire ou régime semi-parlementaire. Opposition est une nécessité. Parce qu'opposition a un rôle mi-balé. Il y a l'opposition a un contre-pouvoir. Aza qui permet d'être équipe dans le pouvoir et se comporter te on dirait mboke ali abango. L'opposition aide à fixer la limite pour le groupe qui est dans le pouvoir. Et là, quand il y a l'opposition, et ça, c'est la contre-proposition. Il y a une alternative. Pour les alates que la population n'est pas en train de se faire. Il faut, en dehors, il y a au pouvoir à présenter qu'il y ait un autre groupe. Il y a un autre groupe. Voilà l'autre alternative. Mais et pas na biso to salaka opposition ya gouvernance te to salaka opposition ya ba individu ya biso ezaka susu opposition ya ba idete et comment ba règlement ya ba problème personnel sous couvert ya opposition au lieu ya koza na problème na approche ya gouvernance. Et dans ce cas-là, l'opposition a un rôle à présenter une alternative. Voilà, nous avons dit que nous avons salimé. Alors, papa, tu sais que dit, au UDPS, pendant des années, tu as présenté ma proposition et critiqué. C'est parce que l'opposition à UDPS, il y a une opposition contre un système. Réforme aux opposition à Ndegouluka. Il y a changement et élément de gouvernance. Et ça là qui le système dans son ensemble. Et c'est là qui est quoi. Et proposition à quoi ça, tout le système. En tout cas, il y a Kolongola. Non pas quoi ça, mais quoi ça, tout le système. Et ça là qui très bien articulé déjà dans la conférence nationale souveraine. Et pendant des années, papa Tshisekedi disait, Tozong est là-bas, schéma, où est qui à conférence. Parce que quand la conférence va retenir la élection en Tshisekedi. Alors que la conférence, ils avaient passé en revue le Congo dans son entièreté n'a pas secteur na yango nyonso. Ba kena secteur ya sécurité, ba sali bilan, ba pesi ba perspective d'avenir. Ba kena secteur économique, ba sali bilan, ba pesi ba perspective d'avenir. La conférence nationale est traité qui n'a pas question wana nyonso. Donc le simple fait c'est qu'au Senga retour, topé recours, dans la matière qui est traitée dans la conférence nationale, et ça a déjà une contre-proposition par rapport à où ça a été salama, dans le régime de Mobutu, dans la persistance de garder un pouvoir qui était incarné par un individu. Néanmoins, dans une situation de conflit, dans une situation de guerre, le col à l'élo, les alliés, situation où il signe là qui congolais nuance, tout mettre de côté ma divergence. On peut ne pas être d'accord sur tel ou tel autre point en gouvernance. On ne demande pas aux gens de se taire. On exprime divergence ouana,
Mais on se met ensemble pour la Makambo et Tali, intégrité nationale, défense et souveraineté à l'État. Malheureusement, Toza l'un des rares pays dans Mokili. Oh, comment un Congolais azako souhaité défaite y a armée congolaise parce qu'azako se prend un président à Congo. Toza un des rares pays. Oyo yo un Congolais azo souhaité que Makambo e beba. Po ebimate ke oya zawa nande abongisi. Et alors, quoi, moi, là, le cause d'un conflit de Gonaïo, on ne tombe pas dans ma famille. Alors que, dans le moment, le quoi, à Boui, n'est pas le moment où, la nation est forgée, dans le moment, il y a une épreuve. Voilà pourquoi Fayulu a accepté de perdre la raison. Andimi Naye, au nom de la République, il est prêt à rencontrer Tshisekedi et d'autres acteurs politiques. Pour la retard, dans quelle mesure chacun peut être utile pour la résolution, surtout dans la question à Est? Ezali démarche moko ya ko encourager que un responsable politique a la disposer na moment le quoi oyo ya kouta na mokonzi ya mboka ya kouta na oyo azali adversaire par rapport à e pour intérêt ya mboka mais na insister là dessus pour intérêt ya mboka parce que malheureusement même population congolaise a qu'il solo ya dialogue a qu'il solo ya rencontre a qu'il solo ya beaucoup tani entre pouvoir na opposition. Biso la mentalité, na biso ton subconscient, na biso suite à l'expérience malheureuse des 60 dernières années, bat baby qui na souka langue, il faut un partage du pouvoir. Le quoi la bat, une expérience où on a que chaque fois, ceux qui pouvaient en opposition, bah, koutani, ils apprennent à partager à gâteau, y'a un autre monde à bat, baza, qu'on s'emballe, t'es ton bazo, y'a qu'à qu'il va rencontrer ton salam. Mais na ba circonstance, le quoi la haute, aux alina yango, les lots. Et ça nécessaire. N'a pas terminé le solo, qu'on a 1860-1865, tant que la guerre a cessé aux États-Unis, président Abraham Lincoln, un de ses conseillers qui est le président, mon hypothèse vaincre les sudistes, bien, il faut tout diaboliser. Quand on va pratiquer l'esclavage, il faut que l'esclavage est là. Et que on va diaboliser, il faut tout motiver, pour que l'on soit là. Lincoln a dit, ce qui est sali, c'est que gagner la guerre. Mais il faut que plus difficile. Il y a qu'on rassemblait les Américains pour la réconciliation après la guerre. Il avait compris que l'intérêt à Bitumao, toi, Nango, est empêché Bissoto tout à la au-delà. François Mitterrand, en 1968, Alinga Telemela, général de Gaulle qui était président de la République, opposant. Basali Moyo, comment moi, faux attentat, moko boye, allez, et sali que service, il y a de Gaulle, élément. Pour Assamboussaf Mitterrand, Nabomotonaïe. De Gaulle à lobby, on n'atteint pas dans son honneur quelqu'un qui pourrait demain devenir président de la France. C'est-à-dire, ils allaient battre ou atteindre un niveau où, au-delà du conflit personnel, au-delà du fait que yenanga toyo kanakate, yenanga toa kouwele la toa, deux visions différentes yamboka, yenanga, mais aux autres, l'intérêt ya Congo. Lelo intérêt primordial ya Congo, eza nin, c'est la paix. Est-ce que aujourd'hui, on a que l'opposition n'accompagne pas la démarche de la paix? Non. Au contraire, on a l'impression que pour na ba misu soza esengona bango. Il suffit à koyoka ba déclaration à certains de nos frères, certains de nos compatriotes, on a l'impression que azo sepela bomoni bozui. Alors que ça les kamba bozui té, il y a des familles qui sont en train de mourir. Nous avons plus de 2 500 000 Congolais au babengali bango na bandaku na bango na ba village. Bazola na kata ba kan ba déplacer plus de 2 500 000. Combien d'enfants basoko fera ba maladie les loyo à cause ya situation ape. Et pour certains ils en ont kaka likambo ko ya débat politique on est tondé ko discuter sur Bukanga Lonzo te foko lona masangu te foko lona loso alors que ils a ba vie ya ba citoyen congolais des enjeux na moment lokola oyo par exemple États-Unis lorsque ba connaître attentat ya 2001 ya les deux tours jumelles na ba démocrate na ba républicain ba tie ba conflit na bango sima. Parce que le pays était attaqué. Lelo, moment où il y a moment où il faut comprendre que il y a plus important que le fait que Ndekonanga et Pengé, Azali Moutoua, il y a opposition, Azali Kote, mais la Félix Antoine Tshisekedi, Ngaï Mouekasa, Nasa pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi, où il y a moment total à comment qu'on préserver l'intégrité à Congo. Bah, tu vas y battre, mais il y a une société, il y a un groupe, un think tank,
dans les pays occidentaux qui estiment que le Congo est ingouvernable à cause de la taille de Yango. Et que impérativement, il faut qu'on démembre Mokoyo. Parce que le Congolais, nous ne prenons pas le temps. Il y a quoi qu'on creuse. Toujours sous le débat, on est allé à Bissau. Il y a des think tanks qui émettent comme avis que le Congo est ingouvernable. Est trop grand. Il faut qu'on kata Yango. Il y a des think tanks qui ont un moment où ils ont estimé que les richesses y a Congo, il faut qu'ils aient un bien commun, il y a un pays ébélé. N'y a pas d'esprit, on est à Berlin, pour qu'ils aient une zone de libre-échange. Il y a une formule moderne, les loyaux, pour que tout le monde va profiter de la richesse à Congo, et profiter de la richesse à Congo. Mais nous, Congolais, nous n'arrivons pas à côté là, au-delà de la divergence, pour comprendre que maintenant là, il en va de la survie à Congo en tant que nation. Ce qui te sali, je... Quand on a balayé une toile à l'angoua, le coup anga tu sais que tu as raté, n'a pas appuyé, bateau va couler sans boka. Ngai le coup là, kuna d'ailleurs, ngai ba nomagi ngai te, n'a qu'une rébellion. D'ailleurs, kuna ngai kuta mona ki le coup là bo. Nous sommes en train de jouer avec le feu. J'ai posé la question à quelqu'un, bateau baso comment quand on a que auto qui te rejoindre Alliance Fleuve Congo. On a bien ok. Na Twitter toujours discuter na Twitter. Mais dites-nous. Kagame va vous aider. Il y a combien de pouvoir. Nenge nanga lobagi baniba ya batia fédéralisme tout ça d'accord. A même une autre Kinshasa besoin de pouvoir. En contrepartie à Kozwa nini. A aussi la bino altruisme ya vandi a zui a celle bino altruisme tu a Kozwa nini. Parce que bien sûr on se rappelle histoire ya arrivé à Afdel. Une fois au pouvoir, Mouzé n'a pas voulu céder. La conséquence était quoi? On a eu 5 ans de guerre. Parce que Mouzé n'a pas voulu céder par rapport au Wazeyeko Sengai. La conséquence, c'est quoi? Un chef de l'État a été tué dans sa maison. Ce que, bah, oh, le Wazeyeko Monaké, non, le quoi, Abisso, Ligny, Félix, Antoine, Tshisekedi, t'es, toi, qu'il ne faut soutenir. La contrepartie, au Boko Pesse, la Mouto, au Pesse, Abino, Mandouk, au Boko Pesse, Abino, Soda, et qu'aux Alani, ni point d'interrogation. Très bien. Allez, vous avez suivi ce qu'est Ndegwa Lobby tout à l'heure. Certainement, vous aurez à réagir s'il y a à compléter. Mais restons encore dans l'actualité. Prince Epengue. Toujours la question, il y a Est, il y a insécurité, l'attitude des uns des autres, il y a bas responsable, il y a bas parti politique, il y a bas analyste et puis bas acteur politique en Bokanabiso, notamment aux alipé cadre, il y a parti Nayo, le rôle là surtout responsable numéro un à parti. Nous avons tous suivi le week-end ici, justement, un souci, il y a Koluka, comment on peut mettre fin à cette hémorragie? La chose qui commence avec Nanga, je l'ai toujours dit que Nanga, la République ne le pardonnera jamais. Parce que Nanga m'a organisé qui élection en 2018, bien que c'est l'obino opposition, c'est que je comprends à moins que l'obandeng moussousou, que pour l'obino, Tshisekedi n'a pas gagné l'élection mon côté. Parce que Tshisekedi en 2018, à Ibaki victoire, il y a Fayoulou. Tshisekedi en 2023, tricherie encore, Sumilak, Oyo, Kadima. A organisé. Donc, tu sais que les deux mandats, 10 ans, ils sont en tête, pour vous, vous ignorez qu'il n'a jamais été président. C'est un avis. Mais, toi, comment vous avez dit que vous avez pour que vous organisez, Makambwe, les Kamala, pour mettre fin à cette hémorragie. Augustin Kabouya, certainement qu'il y a des informations. Allez, qui Kabouya lobby, tout ça, le problème, on a un problème, les alliés à Joseph Kabila, un ancien chef d'État. Yambo Kanabiso. Kabila Bima d'abord d'une manière très très clandestine, Batouba Yebite Abima sans trace, et il a confirmé, Azo Tatoné a confirmé, a affirmé que Kabila est le père du M23. Même pas père de la démocratie, mais à M23. Alors que j'avais suivi Fayoulou récemment. Fayoulou à la Kisike, Rwanda et l'Ouganda, Bangonde Bazon manipulé M23. Est-ce qu'il y a une contradiction? Oui, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Discours, il y a Ndekonangai Augustin Kabouya. Pendant que Bissouba Epengue, l'ingouman anga politique à Dédé Congo, bah étudiant à Congo, na ba province Nyoso, na Kasai, na Équateur, ou na Bandundu, Congo central, Kisangani, ok, kuna na, non, ki ou sili ki ou manye ma même Katanga. Sans oublier la diaspora congolaise au Bamash, Bananabiso, Babotame, na France, na Belgique, aux États-Unis, partout mobilisation à l'île générale contre Kagame,
Donc, on démontre dans le monde entier qu'il y a un génocide au Congo, qu'il y a un pays qui est agressé au même titre que l'Ukraine, et au terre, il y a Féouane Soté d'Ali Kagame, Augustin Kabouya, qui, il faut le rappeler, n'est plus n'importe qui. Augustin Kabouya n'est plus n'importe qui. Abimi et prend les kilos d'acier pour Nakoloba être en réalité auto comme on a Este et Ali Kabila. En d'autres termes, Augustin Kabouya a lavé Paul Kagame. En d'autres termes, nous surtout combattons ton récit. Yako mema misu ya mokili mobimba ba mona Kagame ete yenda zali le fossoyer yenda zali na susu ya malaya ya Congo Augustin Kabouya ayeko barabiso et Ali Kagame ete et Ali Kabila. C'est un problème. Et croyez-moi, toute l'Afrique a suivi, c'est le secrétaire général de l'UDPS. C'est l'informateur du gouvernement, c'est un député national qui dit que Azan avait information. Augustin Kabouya parle avec les généraux, Augustin Kabouya parle avec les services de renseignement, NR et des MIAP et autres. Donc ça dit que y a pas service de renseignement de Balobi Naïke. Et Ali Rwanda te, et Ali Kagame te, et comme Kabila. C'est extrêmement dangereux. Et je suggère à ceux qui l'entourent de lui faire comprendre que tout grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Ce discours de Christian Kabouya me rappelle un peu le discours de Bandeli à Félix Tshisekedi. Vous savez qu'au début de son mandat en 2019-2020, Félix Tshisekedi avait tenté de nous dire que pourquoi vous avez un malheur comme aujourd'hui Nango Paul Kagame. Pourquoi vous voulez toujours mettre tout la tête de Kagame et du Rwanda? Félix a voulu chercher des excuses par rapport à Kagame. Oh, malheur. Il a même tenté de dire que Batoua Koufana Est avait des dégâts collatéraux. Qu'en réalité, ce sont des mouvements ou des guerres congolo-congolaises. Félix avait tenté de nous expliquer cela au début de son mandat 2019-2020, voire même 2021. Tant qu'on a nous en ligne de miel, Nakagame, avant que ça tourne au divorce. Dieu merci, il n'est jamais tard pour bien faire. Félix, tu sais qu'il a adopté des discours Yepenge, il a adopté des discours à Fayulu, a commis comment la vérité après. Parce que nous, on a cessé de lui dire, dès 2019, alliance à Nakagame, bras dessus à Nakagame, et que Mamale est à Congo. Et nous sommes, on ne peut pas bouder notre plaisir de voir Félix Tshisekedi changer les discours et adopter le discours Nabiso Nalamuka. Il y a comment on a été l'ennemi numéro un, et Ali Paul Kagame. Donc, j'ai l'impression que Augustin Kabouya revient encore sur ça. Mais, si tel est le cas, ce que Ali Kabila, la République, à ses lois. La République a sa agneau souhaité à se protéger, pas protéger, pas en aïe. Que bah, attendez, Kabila. Kabila, à ce que je sache, c'est un citoyen congolais. On a soumis na respect à la Constitution, il y a la loi en boucle. Si Kabouya a dit avoir des éléments, moi en tout cas, Prince Pengue, Nazana ba élémenté. J'ai analysé ce dimanche na conseil ADD Congo avec tous les membres. Quels sont les éléments que nous avons pour dire que c'est Kabila qui est à la tête de la rébellion? Tout le monde financé. Nous, on n'a aucun élément. On a des responsables de l'État, d'un côté armé, d'un côté service de renseignement, qui ont suffisamment de moyens financiers, qui sont chèrement payés pour nous dire la vérité. Vous savez la vérité. Ce qu'il y a dit Kabila, en ce moment-là, bah, entendre, parce que Kabila n'est pas au-dessus des lois. Présentement, il n'est pas au Congo. Eh bien, il y a des moyens. Kabila puisse répondre. Vous savez que dernièrement, il y a peut-être 6 mois, il y a eu un président de l'Assemblée nationale. C'est quoi, deuxième personnalité du pays, si ma mémoire ne me trahit pas, Mboso, qui a déclaré que Azan a liste à député au baba créateur à groupes armés. Sango, ouais, journaliste, c'est mon Mboko. Pourquoi parce que suite à il y a Oyo Mboso à l'Obaka. Est-ce que vous vous rendez compte que le président de l'Assemblée nationale qui dit que le député va causer 21 000 dollars, Bango va Mbongo Yoana, et Mbongo va financer un groupe armé.
Rappelez-vous sous Kabila, je crois que nous étions en 2015 ou 2016. Un rapport des Nations Unies Bimaka. Rapport ané lobaka était ba généraux congolais monsieur Soba koza ba armée ba côté kelango ba groupes armés. On avait cité les rapports des Nations Unies à l'époque avait cité Tango Fort. Kabila avait suspendu Tango Fort. Je me rappelle, j'étais avec Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme, et à cette époque-là, nous réfléchissons aussi. Comment c'est possible qu'un général de l'armée congolaise puisse prendre un mandat qui est armé, paix à Pessi Yango Batombo qui est à Congo. Kabila, on peut tout dire de lui, mais à l'époque, au moins, tout le monde a quand même, si c'était flou, la clarté, à mon amour, à comprendre de vigilance et opposition à l'époque. À l'époque, nous étions encore avec Félix et les autres. Kabila avait pris mesure on a suspendre conservatoire, suspendre Katango Fort. Je crois qu'à l'époque c'était général le gars remplacé Kaye. Et puis à un moment donné, boy, suspension Sili, Katango Fort répondre comme ça là. Bref, c'est un rappel. Donc ici nous voulons que procureur général, lui par exemple, quand il attend Mboso, dire des choses comme ça, des affirmations si graves, qu'il y connaît pas député, oh bana vous armez. On ne peut pas laisser seulement une simple déclaration comme ça. Il faut aller fouiner pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Parce qu'on parle de l'infiltration. On est allé même dire que voilà, maintenant la peine de mort, ils allaient restaurer et tout ça. Mais on connaît les infiltrés, on connaît où ils sont. Pourquoi on ne va pas les chercher? C'est là où je trouve que c'est assez grave ce que Félix est en train de faire avec ces gens. C'est que pendant qu'on est en train de chercher à faire la communication politique, la crise, elle est réelle. Et qu'elle est jamais, chaque jour. Vous avez suivi Fonds Alimentaire Mondial, l'Agence des Nations Unies, c'est-à-dire comme alimentation. Alors, il y a qu'on nourrit 1 300 millions. Programme Alimentaire Mondial. Merci beaucoup. Programme Alimentaire Mondial. Et le bique, il y a 1 300 000 Congolais dans l'Est. Principalement, il y a un cadre déplacé. Et quand on a plus de 4 milliards de dollars pour continuer de financer l'aide humanitaire, sinon ça va être un chaos. Yo, Utakana Goma, moi j'étais à Goma, j'étais à Uvira, j'étais à Beni, j'étais à Bounia. J'ai vu la périphérie à Goma. Nous, surtout, il y a un cadre déplacé. Les gens meurent chaque jour. Conséquence, c'est la guerre des alliés réels. Guerre, il y a un moment que les alliés réels. Aucun ne va plutôt à Goma, beaucoup plutôt à Goma. Bazali, quand on pite, bateau, ma boko, ma colomistique, mi colonioso. Donc ici, nous disons qu'Augustin Kabuya est devenu une personnalité importante de la République. Je l'ai connu, je sais, au moment où tu as dit que tu as dit que tu as communication opposition. J'ai travaillé beaucoup avec lui dans le cadre de l'opposition avec le Genève. On s'est retrouvé jusqu'à 22h. Moi, Augustin Kabuya, dans le siège, il y a dynamique de l'opposition à l'époque. Mais maintenant, là, Essika Komi, il faut qu'il tourne sa langue plusieurs fois avant de parler. Vous pensez que ma propos n'est irresponsable? Je ne dirais pas qu'il est irresponsable s'il a des éléments. Oezali et Rayel, auquel cas, il faut même un élément et pas Yamutu Oyo. Azana doit accueillir Bayango. Allez-y. Pourquoi je dis ainsi? Na statut Azana Ngo, ils ont permis de créer des informations aux alliés stratégiques, aux alliés sensibles. Mais il ne faut pas que dans une matinée politique comme ça, au balançant comme ça, un homme d'État, c'est celui qui sait garder les secrets. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Kabila est un suspect principal aujourd'hui avec l'insécurité qui règne dans le pays? Non. Non, pourquoi? Parce que sachant comment Kabila a perçu Félix au pouvoir. D'ailleurs, c'est là le problème. Et pourquoi Kabila a perçu Félix pour gagner l'élection? Oh la main. Ça, tout le monde le sait. Vous le savez, il le sait. En 2018, c'est Félix qui avait gagné. Tout le monde, même Félix le sait. Tout le monde le sait. C'est une vérité. Ne pas le dire, il faut être vraiment les cipots du diable pour le nier. Pourquoi Kabila sera qui choisit à couper ça? Kolongo la pouvoir au peuple après Fayulu, après Sana Félix. Kabila, attention, on a tous eu tort de sous-estimer Kabila. C'est un fin stratège. C'est un fin stratège. Il savait que Félix Tshisekedi est à même de les protéger. Oui, mais il y a intérêt financier à Kabila Mboko. Moi, je me dis parfois, Kabila est le seul milliardaire congolais en dollars. Vous savez, le patrimoine financier immobilier à Kabila. Vous savez combien de terres Kabila a dans toutes les provinces.
quand Kabila dit, même ce que le peuple a choisi Fayulu, Ngaï n'a eu le pouvoir en 2018, n'a pas Félix, c'est parce qu'il a jugé, il a étudié Félix Tshisekedi, il a compris que Félix Tshisekedi, n'a tempérament, n'a façon à quoi ça protéger. Bon, quelle est la raison qui pourrait envoyer Kabila aujourd'hui que Mandoki contre le régime à Félix Tshisekedi? En sachant que pendant 5 ans, Félix, il a bien protégé, Félix a tout laissé à Kabila. Est-ce que vous gardez toujours les. Vous gardez, pour terminer avec vous, vous gardez toujours les mêmes sentiments au Bozalagi Nango en 2018? Que Kabila ne mérite pas d'être protégé avec tout ce qu'il a fait, Nabila na est chaotique, sa gestion calamiteuse, et qu'aujourd'hui, ce qui est bien pour voir, Kabila méritait d'être auditionné par rapport à la gestion, surtout, bah, perte en vie humaine à ma compatriote, n'a mené à l'opposition à l'époque. Aujourd'hui, vous avez toujours ces discours où vous avez évolué. Je suis un homme d'État. Je considère que selon la Constitution, selon ce que Kabila a été dans ce pays, Kabila est un fils de la République. Selon la Constitution, selon ce qu'il a occupé comme fonction. Les supposés être congolais. Ce n'est pas à moi de protéger Kabila. Ce n'est pas à vous de protéger Kabila. Ce n'est pas à Félix de protéger Kabila. C'est à la République de protéger Kabila. C'est-à-dire que les mêmes lois qui s'appliquent à moi, ces mêmes lois s'appliquent aussi à Kabila. Parce que vous avez dit tantôt ici que c'est Kabila qui protégeait non, Félix. Non, 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 je dis ceci. Je dis, na choix naye. Tant que Kabila fait un choix fondamental, il y a cause à pouvoir. On peut pas prendre la faille pour nous prendre la Félix. C'est Kabila avait toutes les bonnes raisons à quoi il Félix à quoi protéger. Au-delà, il y a protection à la par la République. Il faut faire la, il y a une nuance. C'est-à-dire que, ils ont mis beaucoup, ils ont dit normal, ils ont protégé Nganayo. Mais ils ont pas la protection, au-delà, il y a Oyo. Et c'est là où j'ai dit que Kabila n'était pas bête tant qu'on a pouvoir apprécier la Félix, c'est ce qu'il dit. C'est dans le sens là. Mais pour moi, comme Tiko Lobango, excusez-moi, je termine par là. Je ne peux pas. Nan élément moroté au lexique était Kabila. On doit n'atteindre la rébellion. Je condamne la rébellion parce que croyez-moi, de Konanga, il y a des frustrations partout. Il y a des déceptions partout. Notamment simulacre. Il y a élection au Boy. Il y a 7 jours et 7 longues nuits au carré de ma à Saliango. Et frustré Batebele. Mais aucune raison ne peut envoyer un fils de la République qui croit la démocratie comme Pingue, d'aller prendre les armes contre la République. Ben Bassala Kayango contre Mouzé Kabila, alors même que son père était ministre de l'économie de Mouzé Kabila. Mouzé, contre Kabila, l'exemple est Zébélé. Mais selon Gaï Prince Pingue, je me bats pour la cause à pouvoir. Ce n'est pas le cas. Rien ne peut justifier. Alors, même si on peut aussi dire aussi qu'il faut faire en sorte que Baoba a pouvoir. Ba mise le quoi à cause d'internel. Très bien. Et que, na justement, na bango. Na veki na bango. Qu'ils apprennent aussi à respecter les autres. Parce qu'autant Nanga est dangereux. Otaka Dima est dangereux. Otaka Moulet est dangereux. Par la manière dont ils ont boutiqué ces élections. Parce que la rébellion tue des gens. Mais le chaos électoral tue également des gens. Et donc, chacun doit faire en sorte d'aider la République dans ce qu'il fait. Allez, on va revenir avec vous tout à l'heure. Ce n'est pas le cas avec Ambongo qui a justifié la rébellion. Ambongo n'a pas justifié la rébellion. On va revenir. On va revenir. Ambongo a interpellé. Attendez, on va revenir. On va parler de ça. Allez, vous avez le temps. Mais d'abord, Makambuya Kabuya, c'était ça la question. Les propos tenus par Kabuya, indexé Kabila directement comme l'auteur principal. D'ailleurs, c'est lui qui a la manœuvre pour soutenir les M23. C'est lui-même le parrain, c'est lui qui a créé, c'est lui qui fait tout. C'est Kabila que vous avez cité normalement. Et vous accusez indirectement service et la sécurité, le rôle à DGM Kabila, limoué la Kinshasa, le rôle à Mungwa, à Monanité, à limoué la Congo, à Bimina et Libanda, à Keir, place à Zaro Souteli. Comment vous analysez les propos de Augustin Kabuya et la réaction des princes épingles? Bon. Et le Liboso, il faut retenir. Parce que je voudrais que tout ça là, tout ça a la part de choses. La part et la responsabilité, il y a président honoraire dans la situation au Tokomi Lelo. Moi, je ne peux l'apprécier qu'en fonction de ce qui est visible. C'est-à-dire Totali et Tao Tosali Lilo. PDDCRS. Programme, il y a désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilité.
Oyo ba mettant en place depuis 2021, Oya ko remplacé Starek à l'époque, et dénombra qui 252 groupes armés na Congo, dont 13 groupes armés étrangers. Et ces groupes armés ont créé situation Oyo, Batrousso va déplorer qui pendant des années. Est-ce qu'il y a la responsabilité à active ou passif, il y a chef, ancien chef de l'État dans la situation. Ça, ce sont des éléments où ils sont visibles. Que prolifération des groupes armés, impact dans les Alakinin. Affaiblissement et FARDC, impact dans les Alakinin, contribution dans les Alakinin. Mais dire que celui le parrain du M23, moi, je n'ai pas les éléments où autant sous secrétaire général Kabuya Zakinango, sur base de quelle a sali affirmation. Et je n'aime pas dire des choses sans avoir ne fût-ce qu'un soubassement ou vous permettre ngai na défendre position langa. Seulement, on constate que parmi les jeunes au bazar qui ne peuvent rejoindre M23, les membres de la Ligue des jeunes y a pas perdu. Parmi les cadres au bazar qui ne peuvent rejoindre M23, quand on voit une telle tendance, facilement, on peut tirer la conclusion sur base de la tendance au bazar comme moi. Mais s'il y a des éléments cachés, dans la tête, le baka, quid la tête apparaît vite. C'est-à-dire tout ce qui est caché finira par être révélé. S'il y a des éléments cachés, il y a des arrangements particuliers. Au jour ça la que situation à Est, et à la, d'une manière ou d'une autre, lié à l'ancien président, dans les jours qui viennent, mais éléments ne sont pas exposés aux vieux aussi de tous. Parce que parrain à rébellion, à bon moment, il y aura un moment où le visage n'a pas été poisson. Ce qui peut, il n'a rien à voir. Ndenge bango ba koloba. Ke batou na yo bazako kende, bazo kende, motu proprio, na ba initiative na bango moko, na posa na bango moko. Wana pe tu ko constate yango ke effectivement batou bako kende, bako kende, posa na moko. Mais bande kona biso opposition, ba na difficulté, moko ya makasi, na façon à bango ya quoi analyser, tu as quoi apprécier une situation à chaud. Moi, à leur place, n'engagez pas la pause dans le bon. Comment est-ce que nous avons accumulé bah analyse incorrecte? Bah, bandaka part, c'est Kabila qui dirige. Et qu'on s'est révélé que ce n'était pas ça la réalité. Pantin, placebo, Elilingia Pamba. Et qu'on s'est révélé que ce n'était pas ça la réalité. Fachi, Kagame, tout ça. Après, tant que Fachi na Kagame va dire guerre ouverte, et qu'on se révélait que ce n'était pas ça la réalité. Bah, qu'on continuait toute une série, y'a bah, analyse, y'a bah, appréciation et situation, où ils allaient contredire par bah, fait. À leur place, n'engana, bah, tout ça, non, pose, tout réfléchir, non, noir. Est-ce que, tout se trompe pas qu'il n'a élément nini? Quels sont les éléments dont nous ne prenons pas en compte? Situation actuelle, y'a Mboka. Et je voudrais très respectueusement qu'on interpelle Monseigneur Ambongo. Dans le bas, on me connaît, on attend la classe dans l'école catholique. Moi, français, dans le bas, on a eu l'école catholique, dans un respect mini pour nos basango. Mais c'est très dangereux lorsque, à quoi le bas, frustration, et que vous tindez à battre une rébellion, la kawa et abisson. Et ça, langage, mon goût, très dangereux. Au contraire, il aurait dû dire, quelle que soit frustration aux anango, il y a d'autres moyens à manifester en gros plutôt qu'à rejoindre une rébellion qui va faire couler le sang des Congolais. Mais tout bon sana. Pour Mouzé à Longwa, Goma, Ayagozwa, Kinshasa, combien de personnes sont décédées? Il y a eu combien de morts dans le chemin wana, il y a Afdel, Kolongwa, depuis qu'il y a pris à Ouvira, Bukavu, Goma, Bakei, Titi, Kisangani, Tiba, Okoma, la Kinshasa. Il y a eu combien de morts? Les rapports des Nations Unies sont là. Il y a eu combien de déplacés? Le rapport, il y a HCR et Zawana. Tobandi guerre, il y a RCD. Tous les fameux massacres, Otobi, Makobola, Kasika, Mwenga, Tingi Tingi, Tinambandaka. Et aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que, bon, le quoi, on a frustré, le quoi, on a un nomaki ngaïté, le quoi, on a un boto linga tam soubi langa ngaïto mine ngaï, n'a que aux amandouki. Po obo manani! Alors que tous en a quatre phases, moko na mboko, on s'est rendu compte
que la lutte non violente porte du fruit. Bah, continuons sur tozoa awa, Kobanda la Mobutu, Kobanda Mouze, José, tous, à un certain degré, bah, c'est d'akana pression ou ezali non violente. Surtout lorsque ezali reposé, ils ont reposé sur revendication moko ezali véridique. Rien ne peut justifier que naba 2024, que batouba zwa manouki pour régler des problèmes politiques. Alors que ma méthode non violente et amenaka ba solution à long terme. Guerre et memaka, jamais solution à long terme na un problème politique. Ça n'a existé nulle part. Surtout pas dans Mboka na biso. So qui te retour à batouba, boye bisanga guerre à Afdel. Conséquence dans Mobilin Zaginin. Positif Zagini, négatif Zaginin. Guerre à RCD, guerre à CNDP, guerre à M23N, guerre à M23D. Babi Touma, 200 groupes arméniens. Toza, Mboka Moko, ils ont la diversité. 450 tribus. Qu'on fait cohabiter déjà 450 tribus à Kwangate. C'est un exploit que beaucoup de pays ont fait. Nous sommes à 10 tribus à Pamba, mais faire cohabiter, c'est très difficile. Et ça, déjà, un très bon pas. Au Bissot, les Congolais ont réussi ça, qu'on faire cohabiter 450 tribus, même s'il y a des petits problèmes à gauche et à droite. Tout ça, nous avons une potentialité, ils tellement mingi que ils ont entraîné la convoitise. Alors, évitons Tomiti à Bissomoko dans une posture de proie. Quand les gens disent, le quoi, il y a une phrase, tous les malheurs du Congo viennent de Paul Kagame. Il y a une phrase où Kagame est responsable, il y a une partie à ma malheur, Nabisso. Mais il n'est pas responsable de tous nos malheurs. Et ça, il y a une responsabilité, Nabisso Moko. Nabisso Moko, tu as un potentialité, tu as une opportunité, tu as une opportunité. Et tu as profité de la faiblesse, Nabisso. Parce que ceux qui, depuis guerre et Sila et 2002, accord à Sand City, Tommy Pesaki, mission est de construire une armée véritablement nationaliste et professionnelle. On allait avoir des problèmes, il y a des groupes armés, on allait avoir résurgence, il y a M23 et en espace à 2 ans, ils ont un bon kebele. Est-ce que c'est Kagame qui nous a empêchés de reconstruire une bonne armée? Lorsque ton teki va champ de tir, il y a un canyon, c'est Kagame qui a vendu. Lorsque Bissomoko t'a promis par école, il y a ma formation, il y a ma officier à qualité. C'est Kagame qui a fait ça. Donc, Azan n'a pas la responsabilité, n'aïe, parce qu'il y a une kimiate, Azan n'a pas convoitise, n'aïe, Azan n'a pas frustration, n'aïe, et puis à transposer, conflit, n'aïe, à Rwanda, n'a mabélé, n'a biso. Mais il n'est pas responsable de tous nos problèmes. Lorsque chez nous, l'opposition n'est-il l'élo. Quand certains opposants prennent la décision, pour y aller au Kanaratena Félix, Azo Avion, c'est Kagame qui l'a obligé à faire ça. Ou est-ce simplement absence, il y a véritable sentiment et patriotisme. Il faut comme un niveau vraiment oyoyo, tout comprendre que le Congo est plus important que nous individuellement. Le Congo est plus important que Mwekasa, le Congo est plus important que Epenge, le Congo est plus important que Tshisekedi, le Congo est plus important que Nanga, le Congo est plus important que Kabila. Tout soit par intérêt à Congo, tout tient au-dessus, il y a un intérêt personnel. Parce que il y a des politiciens qui disent non, il faut montrer ça se retrouver dans le gouvernement parce que risque ça que baoba se retrouver te ba que la rébellion. Mais c'est scandaleux. Ça c'est nous, ce n'est pas les étrangers. Lorsque tu as un bon corps, tu es vivi son nyonso, que ba député, certains députés provinciaux, pas autre que ba voix na ba. Est-ce que ça faut ta Kagame, tout ça faut ta Rwanda. Faisons la part de choses. Kagame azana part na responsabilité dans mon boulot sur ça mon amour Kagame. Bisso surtout ma politicien congolais. Nous avons une grande part de responsabilité. Oh Bisso toi lui ma première responsable de lui comme mon amour Kagame. Arrivons à ce niveau là où nous prenons conscience et nous disons en ce moment yo ndeko congolais, rien ne peut justifier que tu prennes les armes contre ton propre pays. Parce que Manouki est bomaka. Ma paysan ou yo koboma. Po yoke ne kozoa goma. Po yoke ne kozoa kisangani. Po yoke ne kozoa kalemi. Ba sali yo ma beye. Nini. On ne peut pas ko promouvoir. Ko tanga ya makile ya ba Congolais.
et surtout pas qu'on justifie un mot sous le prétexte de la frustration. Si dans un pays où chaque fois que Moutaza frustré fois à Mandouk, ton soukawapi, l'homme qui sait ne sera plus président, et Epenge sera président, n'a le quoi n'a frustré dans la gouvernance à Epenge, dans une Mandouk. Si ma Epenge n'a la commis président, allez, sans le quoi n'a frustré dans ma Kamunangaï, à une Mandouk. Non. Soit nous voulons bâtir un pays qui tient debout pour des générations et des générations, soit tout autant dans un système, il y a jungle. Allez, très bien. Epenge, vous avez suivi, maître. Toujours à la Makambouya Mbongo. Je disais tantôt qu'il y a Mbongo à justifier la rébellion. Vous savez, à un certain moment, dans Congo, Awa, il faut tout canserater le roi Basango Baba Santu. Sangoza Moutouloko Langaï, le roi Layo, Tosa la Bolembu, Tosa la Baerreur, Tosa la Ndenge, Tosa la Makambou, tant que vous avez la hauteur de la battante et la population. Mbongo Aza Moussoumou qui le roi Langaï, le cola yo, le cola mouekasa, le cola ba pasteur bazali. Faut pas qu'on soit ambongo, le cola commis, même pas paza moussoumouki. Faut pas qu'on mette ambongo, c'est comme si a commis absolu. Ambongo, le constat, est que, naba omeli na yazo salaka naba église, azo transformé église, le cola cellule, ya, tolo ba base na ye, ya politique à un certain moment. Azali moussali nanzambi, azali sans sa côté à la paix. Azali pour la recoute de la motote, place ma bé Zali a condamné, place ma lame ou pé Zali a commissi. Mais quand vous suivez Mbongo à chaque fois, c'est comme un combattant, mais qui prêche du haut de la chair. Ba jeune, ba longwe, y a pé perdu. Pour la frustration, parce que na lobby, on a Mbongo à lobby, il kambo gâteau, kongwe koma gâteau pour na Mbongo. Il parle pas, il y a petit peuple, il parle plus, il y a ba responsable et politique, bon, on va retrouver par na bangote. Je n'ai pas entendu, j'ai suivi tous les messages na Mbongo. On n'est pas catholique, mais nous étions obligés de suivre ce message pour analyser. Je n'ai pas vu où Mbongo a dit « Je condamne ma jeune exalité. » Pour Mbongo a justifié ma jeune ou ma kei, parce que awa, ma injustice exali, considération exalité, ma toubaza frustré, partage à gâteaux équitables étaient les autres. A Memi, ma toujours dans le raisonnement et la question. Posons-nous la question pourquoi Mbongo a kende. Donc, pour Mbongo, cette conséquence, elle est logique. Batoubako qui est la place Ouana, Ouli en tant que papa, a condamné d'abord, mais a interpellé le pouvoir sur certains nombres de choses. Vous l'avez suivi. Quel est votre point de vue? Sango, j'ai l'impression que vous êtes totalement à côté de la plaque par rapport à l'interpellation à Kadian Mbongo. Allez-y. Je crois que vous êtes trompé. J'ai l'impression que papa Mbongo a interpellé Yo Sango. Parce que vous êtes leader d'opinion. Et je vous dis, important, le Kolangaï peine à l'idée d'opinion. Félix Nangambonaye, Falou Nangambonaye, Katoumi Nangambonaye, population peut Nangambo Nabango. Cardinal Mbongo a toujours été celui qui est profondément engagé contre Makamege Kanana Est. Et je crois que même dernièrement, Aouta qui peut que ça la tourner Kuna. Je peux vous dire. Le cola mokonzi à église catholique. Ecclesia oyo ezali même bisika o l'état est absent. Mbongo maîtrise parfaitement ce qui se passe là-bas. Et je crois que sa connaissance des causes n'a outil qu'interpellé biso. Yaliboso, n'a qu'on fait remarquer que le lenga ya kolobela ya Mbongo. Ba vérité à koloba. C'est vrai, ça peut choquer. Mais e bandi na kaka na yete. Bangangaza mbenyoso ya katoliko bagi ba kardino ya kala bazaka ubendengo wana. Meme papa Malula wibi ba konfia zaka nangona Mobutu pafwa. Upe Mobutu abotola ye ndako boyeza na veme ya komisa yangozi ndako ya JMPR. Makambo ya retu ya l'authenticity. Ba verite ya lobaka. Mkante meme kolon wibi oyo Malula saka. Notamaya makamba manifeste conscience africaine a rappelé mon takomaka à Zaka Nakati. Boye bindengani ni cardinal et tu à Raka. Boye bindengani ni cardinal au boye na 2011. C'était qui encore tant que papa tient ce que l'on a gagné par élection. Boye la vérité à l'obaka. Donc, papa Mbongo a bimi na moule en athée à Zali Banda Masanote. Et à l'obé na droite ligne. Sauf la dit malamou. Trajectoire, évolution et discours au cardinal Mbongo, Zéga, oh, Malula Saraka, oh, et tu as Saraka, oh, Bamsous Basaka Devaye. Bazaka toujours du côté de la vérité. Parce que souvent on dit à l'église, l'église doit être au milieu du village, encore qu'on ne connaît même pas ce village-là. L'église et son rôle, c'est d'être du côté de la vérité. Et Mbongo ne fait que dire la vérité. Où se trouve cette vérité?
l'interpellation naïe à l'obéité tout réduit ma frustration et oui ne konanga yi sango faut qu'on réduit ma frustration de ko osso yambi batu ce soir boyé de kulutu nangai chulumbu ya IDPS on la ka maloba naïe awa alors bagate ba wanda ko sanga te IDPS a trichaka te dis pas IDPS a trichaka te na moni ki IDPS a trichaka oya mbaka papa sa chulumbu awa boyé c'était un frustré mais un frustré pour de bonnes raisons. Parce qu'à mon état, ma polomine, l'électionnaire, les kaki, ils allaient brouiller. Et ce n'est pas bon. Qui n'a pas fini par prendre les armes. Ça, c'est un élément important. Il n'a pas fini par prendre les armes. Mmh. Mais attention, prise des armes et aller conséquence. Mais papa, moi, on parle de la cause. Ah, lui, les conséquences. Les conséquences, il en a déjà parlé. Pas. Papa Mbongo a seulement comme conséquence un balai délé. Ah, mais il n'a pas condamné. Regardez, il n'a pas condamné ici. Il y a quelques semaines ici, le même cardinal Mbongo a dit à la classe politique d'être autour de Félix Tshisekedi. Mais ce que tu n'as opposition à moi, tout le monde a dit, mais rien de n'y a lié. Beaucoup m'a frustré. Non, tu as dit frustré. Dans le but. L'opposition, tout le monde a dit, non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça a dit, c'est ça. Allez-y. Pour la question, c'est tout le monde a saigné la classe politique. Bon, c'est ensemble, là, Félix Tshisekedi. C'est un bon qui a dit. Il n'y a même pas trois semaines. Il n'y a même pas trois mois. À l'IDPS, on a applaudi un bongo, pacifiste un bongo, patriote un bongo. Non. Il a dit que l'unité, et c'est même biblique, il y a un passage qui dit dans la Bible que un royaume divisé à son sein, je crois, ne saurait faire face, ne saurait résister face aux attaques de l'ennemi. Tant Kagame a la mission à partir du Rwanda, il trouve que la classe politique congolaise est divisée. Même les églises sont divisées. Du côté social, ça ne va pas. Les profs et l'université sont ailleurs. Normalement, quand on est en guerre, au Congo, on a même un président français. Ceux qui font ça, ils sont engagés quelque part. Au Congo, on a été Macron, Zui, a bengi tous les anciens présidents français. A réuni les Bango. A Bito Sangsamakanis. Vous avez fait face à ce type de défi. Moi, je suis là au pouvoir. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et Macron, tous les partis politiques de l'opposition, tous les leaders de l'opposition en France. Ce qui est une réforme importante. Pourquoi pas ça quand on est même en Afrique, au Nigeria, comme le président nigérien, il y a un ancien président, il y a un président qui compte, il y a un autre qui tout réfléchit sur une question donnée. Mais ici, quand on le fait, on a un peu de temps, et on a fait des choses, et on a fait des choses, et tu vois, petite test d'esprit. Quand Fayou nous dit que je suis prêt à parler avec Félix Tshisekedi, avec les autres, pour qu'on puisse réfléchir comment on monte l'unité face à ce que. On qualifie d'une guerre internationale contre le Congo. Et un complot international contre le Congo. On dit, ah, Fayou l'aumônier, Fayou l'alembi. Non. Donc, nous devons grandir à tout. Donc, Papa Mbongo, premièrement, nous interpelle en disant, réduisons les frustrations. Les comportements qu'affiche Félix Tshisekedi. Même quand Félix Tshisekedi disait que, ou dit, continue à le dire, avec fierté d'ailleurs, que l'opposition a pété. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Alors que l'opposition, elle est intelligente. L'opposition propose. L'opposition, c'est une opposition qui ne fait pas peur. Vous voyez, pour naïe. C'est-à-dire que l'opposition, c'est que l'opposition est en anga. Pour nanga, c'est mandoki. Bisous, toi, tu as un verbe. Toi, tu as un français. Toi, que le banal Félix, élection de Kimabe, toi, l'opposition a pété. Bisous, toi, que ça marche. Attendi garde républicaine. Attendi police. Bakangi et Pengue. Bagazé, bisous. Toi, l'opposition a pété. C'est-à-dire qu'il y a un gars, mon opposition, qui a le coin de Tozaki na IDPS. Na boutu de l'équipe a piné, de tombé dans Zela, de tombé dans 10e mari, de tombé dans Nîmes. Là, l'opposition a pété. Là, l'opposition a pété. Là, l'opposition est dans l'opposition armée. Là, l'opposition a ma casse. Non. Et je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il n'est pas normal qu'au 21e siècle, qu'en 2024, ceux qui ont élection qui m'a bien, to kende kozamandoki. Oui, ce n'est plus normal. Qu'en 2024, qu'on pense que la seule façon de régler un problème politique, il faut prendre les armes. Mais Ndeko Nanga, il n'est pas aussi normal qu'au 21e siècle, en 2024, qu'on nous organise une élection de la honte, qu'on nomme les députés nationaux, qu'on appelle tel. Tu as combien? 4. Bolongola, 4 députés, qu'on a un député. Kuna, il y a 6 députés, tu es Bolongola, 3. Kuna 3. C'est pas normal aussi pour les civilisés que nous sommes censés être. Il n'est pas normal que quand Macedonia Lix pendant cette longue nuit et les gens qui tapent numéro 20, numéro 20, numéro 20 en Gandajika ou à Bwende avec des machines qu'on a distribuées toute la nuit.
Donc, mettons-nous d'accord, Ndeko. Quand est-ce que Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Prince Epengé et Sangou Mokondi, vous êtes leader politique aussi. Vous êtes leader, plutôt leader d'opinion aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les débats sur la rébellion, c'est fini. On ne peut plus accepter ça. Et je suis partant pour ces débats-là. Voilà les discours les débats devrait tenir. Les débats sur les tricheries. Il y a des élections dans la dimension. Anna. Oui, élection parfaite et Zalakate. Moi, à 70%, on est des élections. Pour réduire tout. Cravate, la bise, tout là, tu peux s'absorber valeur. Nous ne valons rien avec nos belles cravates. Très bien. Allez. Et qu'est-ce que moi, je peux parler devant un jeune Sénégalais après ce qu'on a vu au Sénégal. Donc, toi, courage à Koloba. Le lot débat sur la tricherie électorale, débat sur la rébellion, et si là. Donc, comme un débat sur le développement. J'ai vu là, au Zimbabwe. Zimbabwe a commis comme à outil, comme à ce qu'on a autosuffisance. Il y a production, il y a bleu. Sauf que dans le Zimbabwe, plein, il y a bleu. Bah, moi, ben, pas porté sur une crénalité. Ils n'ont plus que combien? 4 ans. Parce que débat, tout à niveau, on a. Donc, ici, je reviens encore pour dire, Cardinal Mbongo interpelle, que le comportement, bah, on a pouvoir, base à la humble. Bah, tu as frustré, bah, monsieur. Ben, justice, c'est le cas, tu as une élection, oh, et si là. Même, on a ignoré ça, que bah, tu vas frustrer. Mais cela ne veut pas dire que Mbongo justifie la rébellion. Au contraire, Mbongo est parmi les premiers qui a condamné. Et il dit ceci. Pendant que nous sommes ici en train de parler, là, qui va être premier ministre? Au comment on a parlé, Makuna? Kamel est comme président. Mbosso est comme président de l'Assemblée nationale. Kamel est comme président de l'Assemblée nationale. Bat est comme président de l'Assemblée nationale. En réalité, regarde, Félix, tu sais que nous avons battu nos et ça ici, partage, il y a gâteau mal acquis. Quand on parle de l'Est, c'est des bouts de lèvres. En réalité, personne n'est concentré dans ma Cambria Est à ce moment. La vérité, c'est celle-là. Allez. Tous, c'est qui va être au Parlement? Qui va là, qui va aller à la banque centrale, qui va aller dans l'entreprise publique. Allez, et Mbongo interpelle en disant, pendant qu'on a dit ça ici, la guerre est en train de venir, Nanga est en train d'avancer. Où est le mal? Il interpelle tout le monde. Il interpelle aussi l'opposition en disant, très bien. Soit ayez le même discours face au danger qui nous menace. Mais donc, ne faisons pas les contre-sens d'un discours interpellateur, un discours de responsabilité patriotique. Maintenant, il faut l'écouter. Un discours justificatif et analyser. Très bien. Allez, on va prendre une petite pause. Maître Moukassa, vous avez une parole au Bambala Moro? Il y a une déclaration en bon. Allez-y. Un pays qui est attaqué, un pays qui se sait en guerre, la première chose à faire est de s'asseoir autour d'une table pour former ce qu'on appelle le front commun. Or, aujourd'hui, le front commun n'existe pas. Comment voulez-vous que des fils du pays ne partent d'ici, de Kinshasa, pour rejoindre la rébellion à l'Est? Donc, premier motif, comme le front commun n'existe pas, c'est normal que Batoba Longoba qui nous rejoigne des rébellions à l'Est. Posons-nous la question, pourquoi nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis, nous pouvons les traiter de traîtres, ils ont pris la cause de l'ennemi, mais la question de fond est pourquoi ces gens ont agi de cette manière. C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, nous continuons à poser les gestes qui fragilisent la communion nationale, nous posons des gestes qui excluent les autres de la jouissance du gâteau national. En fait, ça veut dire quoi? Ce qui naïbi, botalate, pourquoi naïbaki? Bon, mitou na poani naïbi. Nazagi nanzala, moi si nanga liagite, yango pe singan zila naïba. Donc, ce qui n'a comme corrompu, botalate, poani ni, botala poani na komi corrompu, et ça, pendant que vous faites un minéval à moi nangaite, yango na komi, et ça, qu'on justifie le mal. Rien ne peut justifier que toi, citoyen congolais, les armes à feu sont faites pour tuer, pour détruire. Jamais on ne peut pas rébellion ni na Congo. Et tu as la construction, il y a un bureau administratif. Les gens prennent les armes, non pas pour nous développer Mboka. Parce qu'ils estiment que nous devons dépasser ce stade. Rien n'est justifié. Il faut tout dire à la constitution qui a commis inéligible à vie. Até après ceux qui combien d'années ont voté été. Pour comprendre malam. T'as la bande commune qui a la rébellion à RCD, MLC, RCD KML, Bazali Kolanda, Nangate. La plupart de ceux qui partent, ils ont vécu la rébellion. Ceux qui ont vécu la rébellion,
Ceux qui ont vécu la guerre, moi j'ai vécu la guerre, il y a Afdel. Guerre, ils ont le roi au départ. Bah, ils n'ont pas bazako koufa. Quand en plus des fils du Congo, bah, ok, ne coupez sa prétexte. Pour nous relaxer, que bon, en réalité, ils ont un Congo contre Congo. Je me demande, bato ba na sima, ou ba ko manipule, tant ba talarabiso, ils se disent quoi? C'est quoi cette espèce ya? Ya ba être, ou ba toi nini nini même, ba atambo ka la bon ba na souci na ngoti. Et le cardinal qui incarne une autorité religieuse, mais aussi des valeurs morales, ne peut pas, dans son langage, apologie, il y a rébellion. Il faut au contraire à réprimer Bango parce que ces gens qui prennent les armes vont tuer des innocents. Ils ne vont pas renverser Félix s'ils veulent renverser Félix sans tuer des innocents. Les gens vont mourir à Kenge, les gens vont mourir à Kisangani, les gens vont mourir à Goma, les gens vont mourir à Semenyon Soana. Quel cardinal dise comprenons pourquoi ils ont pris les armes? Ça c'est pour Nangaïza. Vraiment, je vais en appeler au cardinal à retirer Malobaoui. C'est très dangereux. Ils ont apologie, il y a Kobomabato. Quel que soit les. Vous savez, même Zimbabwe, tu go tangasiko. Tangu batu mwindu. Ba récupérer pouvoir na mangona Zimbabwe liboso indépendance ba bengali premier ministre Mundele Jan Smith Mugabe ekozwa communauté internationale principalement Angleterre les anciennes puissances coloniales le biboko ku fanzala ba kwensa bango na ndenge nyonso po elaksakaka ke batu mwindu bazaki capable te ya komigérer bango moko Zimbabwe ezalaka malamu tant premier ministre tant mokonzi na ngazalaka Mundele Jan Smith loko le komi batu mwindu Zimbabwe ekoko simba lisusu te pona ko perpétuer message d'infériorité à batu mwindu. Mais aujourd'hui, le quoi va réussir côté à moi qui m'a moqué, bango ba komo kende vers autosuffisance alimentaire. Nzala, balonga kango na guerre te. Balonga ka nzala na temps de paix. Il faut to longola na mutu na biso. Que moi na moko ya mboka oyo akoki kozwa manduki contre mboka na ye, peu importe degré ya frustration azana yango. A prérequis si j'ai à protester, je vais protester par un moyen pacifique. Je vais protester par un moyen non violent. Efficacité à un moyen non violent, ils ont prouvé. Mandela, Gandhi, beaucoup de gens, même ici, pour t'obliger Kabila à faire l'élection en 2018, ce n'était pas des moyens non violents. Yo et Pengue, vous avez na balabal, vous avez na balabal. On n'a pas pris les armes pour te contenir Kabila à sa troisième mandat. Ma jeune na Sénégal, pour pas pousser Macky Sall à la sortie, bah, ils n'ont pas pris les armes. Donc l'efficacité à ma moyen non violent est approuvée partout dans mon kili. Les gens oublient, et si quand on est au économiquement, de 1998 à 2003, na kina watolia fufu ya l'os, vous vous rappelez? Tout comme poussière. Et certains pensent que guerre a filmé à Rambo, ils a filmé à Chick Norris, à l'Ingana Kebo et à Rosonga, pour essayer de se pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça. Allez, très bien. On va prendre une petite pause, on va revenir pour terminer avec la nomination du Premier ministre. Dans 48 heures, ARSP annonce la publication de la liste des sous-traitants qu'elle a recommandé à des grands marchés au sein de Tekefungurume Mining. Allez, en image, on se retrouve après pour terminer. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons pour vous Prince Epengue, le cadre responsable d'ailleurs, président ADD Congo, et puis porte-parole à Coalition Lamouka, de l'autre côté Yves Mwekasa, acteur politique, cadre de l'Union Sacrée. En image, on se retrouve après. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux ou presque en RDC s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe Simoc qui a en son sein TFM et tant d'autres qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call
avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ces opportunités et l'ARSP continuera à créer ces opportunités. Tenke Fungurume Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Cachal-Katamb. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitant. Donc on a remarqué qu'il y a des problèmes chez nous. Donc on va faire tous les efforts pour améliorer la situation. Nous apprécions beaucoup la stratégie du président pour le développement de classe moyenne et l'économie nationale. Le DG de la RSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité et de professionnalisme afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont il souhaite pour la RDC. Fondation Achille Mtete Kilwale, déclaration. Nous, membres de la Fondation Achille Mtete Kilwale, FAML en sigle, et membres effectifs du regroupement politique Alliance 2025, à 25 en cycle, de la plateforme Fifi Masuka Saini, tenons à féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême à l'issue du scrutin du 20 décembre 2023. La Fondation Achille Mtete Kilwale adhère au programme quinquennal du chef de l'État et soutient sa vision sans faille. À cet effet, la Fondation Achille Mtete Kilwale soutient les tickets de l'Union sacrée de la nation, son Excellence Fifi Masuka Saini, candidat gouverneur, et honorable Clément Mufundi Chinat Karl, candidat vice-gouverneur de la province du Lualaba. Preuve par excellence de la confiance du chef de l'État en faveur de la province du Lualaba. À cette même occasion, nous félicitons également tous les honorables députés de la plateforme Fifi Masuka Saini et des partis alliés ayant été confirmés et publiés définitivement par la Cour d'appel du Lualaba dans son arrêt rendu à son audience publique du jeudi 28 mars 2024. Il s'agit des Honorable Masuka Saini Fifi, Honorable Mashao Mununga Amons, Honorable Kaseya Chingambu Jean-Marie, Honorable Ilunga Mukenuka George, Honorable Mutete Kilwale Achille, Honorable Kalinga Mupataye Jean-Pierre, Honorable Kaumba Mayonde Philippe, Honorable Kabeya Kalasa Archimède et Honorable Kazembeswana Ilunga Mathieu. Les Lualaba étant une province de paix et de vivre ensemble, la Fondation Achille Mtete Kilwale, respectueuse de la loi, condamne avec la dernière énergie toutes les atrocités qui se vivent à l'est du pays et en appelle à la conscience de tous et de chacun à se désolidariser des groupes de terroristes et criminels et refuse toute manipulation visant à déstabiliser le pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive la Fondation Achille Mtete Kilwale. Je suis venu à la maison de 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 la maison
L'ambiance était à son comble le vendredi 29 mars 2024 au village de Tchibamboula, non loin de la chute Mbombo, à environ 20 km du centre-ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, à l'occasion de l'inauguration du deuxième forage installé par la fondation Topin Kabongo Mukengeshai. La population du village Tchibamboula a ainsi exprimé sa profonde gratitude en l'endroit de Topin Kabongo pour cette œuvre qui vient consolider sa volonté d'approvisionner en eau potable cette partie de la province en particulier et sur toute l'étendue de la zone urbaine de Kananga en général. Des remerciements sans arrêt ont marqué cette journée plein d'émotions pour les habitants de Tchibamboula. De son côté, Matala Sylvain, responsable technique et logistique, a révélé que la fondation a déjà à ses jours construit plus de 25 forages sur l'ensemble de la province sur fonds propres de Topin Kabongo. Dans ses habitudes, comme toujours, quelqu'un qui a l'amour de sa province et de sa population, le paix qu'il trouve, il veut partager avec tout le monde. Et sa façon aussi d'appuyer l'action du chef de l'État ou l'avion du chef de l'État, le peuple d'abord, il veut aussi l'appuyer de cette manière, il veut faire la politique autrement, contrairement à tous ceux qui sont en train de parler. Lui, et dans le forage, il est dans l'agriculture, il veut poser des actes qui peuvent parler pour pouvoir, comme je viens de le dire, soutenir ou appuyer l'action du chef de l'État ou l'avion du chef de l'État, le peuple d'abord. Ici à Tchibamboula, nous venons de réaliser des forages. Et à travers la ville, nous en avons réalisé plus de 25. C'est toujours l'initiateur de la fondation Topin Kabongo Kengshai, lui-même l'initiateur, qui a financé avec sa poche tous ces forages que je viens de citer, plus de 25 forages, non seulement à travers la ville et au-delà même de la ville, dans d'autres territoires, par exemple dans les territoires de Kazumba. Nous avons donné de l'eau au grand séminaire de Kabwe, le grand séminaire interdiocésain de Kabwe, le petit séminaire de Kabwe, à l'orphelinat de Mikalaï, et ainsi de suite. On en a fait aussi à Chimbulu et Empire. Quelqu'un avec sa poche, il n'est même pas membre du gouvernement, un privé, mais soucié de sa province, il a réalisé ce qu'il a réalisé. C'est ainsi que nous lançons un appel à tous les ressortissants de la province de Kasaï central d'emboîter le pas, d'emboîter M. Topin Kabongo, pour pouvoir, avec le paix qu'ils ont, si on se met ensemble, comme les slogans de notre fondation le dit, Bounimboulobo, l'union fait la force, on peut encore continuer à pouvoir soulager la misère de ceux qui sont en... Allez, merci beaucoup. On va terminer. Boza Ebele, Libosio, Aba TV Nabino. Merci Nabao Bazo, Lembate, Kokoma. Message Nabino, Zako, Kokoma, Ebele. Prince Pengazaliawa et puis Indeko Yves Mouekasa. Ensemble, on a bangonde tous aussi lissa. Mon collègue lobby finalement, enfin, tous les premier ministre au major nini. Lukela nga photo ya maman wana bati premier ministre. Toluka ki moi si angwa kobima ka maman Judith. Ya dete. Toluka ki bakocha ya dete. Bon, ezaki awate bakocha mutuna ni tracteur chwe zalaki moi ebele. Mais finalement,
après suspense, après causer la longue patience. Mais, voyez, coacher la biso, ma d'été, ma jidete. Ya jidit, ma jidete. Maman Yewana, premier ministre Yewana, premier ministre Yewana. On a bavère bien battu. Mais moi, si amoutou. Tokoumi Sinzambe, apesie, ou yazui lelo, ou yébi kena destin en Zambe, y a, dans le cœur de l'homme, il y a tant de projets, mais c'est le décès de Dieu qui s'accomplit. Félicitations, na yo, nandenge bapesi yo confiance. Bien que ngai nandima gite, ngai personnellement nandima gite que bati a moi si a za la ministre, mais to l'obani neza volonté en Zambe, et puis mon kondi yambo kasali yo confiance, apesi yo place place aux awana. Outil na plan na gouvernement ba wario on a monaki ango gouvernement ya ba bois mort et bi misi ata eloko ya malonga tenga na za contre na politique oyo nani sa malokonde sala ki na za ki d'accord na ngote na moni ke sa malokonde a totalement échoué ba aider Félix Tshisekedi alors que tokumi sa gouvernement ya ba wario nga na monaki déjà que échec ça est total. La plupart des ministres étaient en panne d'imagination, dépassés par les événements. Ils n'ont pas maîtrisé les contours politiques. Makambwebele, il y a eu même ceux qui étaient des stagiaires. Donc, il y a eu pas mal de choses. Oh, biso to banan, le bateau, bah, comme ça, il y a eu wario, bah, ça, le gouvernement, bah, ça, il y a eu donc, on a zaki d'accord, n'angote. Mais, bah, si l'ici mandat la bango, bah, ça, pour expédier, bah, faire courante, tant mieux. Alors, pour le moment, maman va payer sur confiance. C'est que le Congolais attend de vous, et Zalinine. Prince Epeng va réagir. Yves Mweka sa koloba. Ngaï na koloba si koyote. Nazo zelana no composé gouvernement. Ne okoye bake, tango komi premier ministre sango azali. Toko yambayo, tout ça la nenge to yambe la kabatu. Toko yambayo te to lamba fufu, toko yambayo te toko mabiso asbel. Non, tout ça la nenge toko yambe la yo. Toko yambiso chapele à ba problème yo kouti. Toko yambisa yo penini to zo le pan. Et puis nous allons vous observer. Toko ta la okaka inane ya pamba, comment les choses vont évoluer. Toko bananon a 100 jours na yo, après 100 jours, toko pesa moi à 6 mois, nous allons voir. Et puis, soki 6 mois et koki, toko kende yi nané ti ba décembre, makambo etambo li malamu te, wana ouzaye sou mamate, okomi siko yonde, mobundi ya population, ozo bundi sa population. Place wana nde okoka barafale kobim. Mais, toko pesa moi bénéfice, ya koze la, koyoka nini yoko yi ko pesa. C'est vrai que ton dima kite, lokwa ba toko abiso toza ba incrédule na zangi na confiance à tabati ya moi site. Il faut prouver biso le contraire. Soko sali angote a, chapelé ko funga makaka pour abola mo Congo ndeko prince peng quand même pour la première fois histoire ba pesi moi si confiance oiseau rare ba to bandima kité mama outi na planche c'est que di a pesi confiance pour la première fois tomboli moi si et loko ba congolais ba zelaka depuis kala. Mais par rapport aux enjeux, est-ce que cette nomination est une nomination de taille où ils ont répondre au tokoki ko zela ba réponse favorable et la ba désirata ya population. Si tel n'est pas le cas, ba méfait à nomination ezali nini soko zo boyango. Et pour terminer, banje de l'heure, qu'est-ce que vous attendez na moi si ou par rapport ya banje zo zabso dans les jours à venir? Vous avez 6 minutes pour terminer, il en aura aussi 6 on va terminer. Sango na kati ya lingomba na biso de Congo to lobi obi Congo en ce moment. Na contexte OYP avec le régime Oyo et le coup la moutouka 207. Sama le konda la qui recevait Félix Sende chauffeur. C'est quoi Félix a décidé à co changer receveur. Mais moto que zagara yango moko 207 n'a pas problème à frein na yango n'a pas fuite et ba huile hydraulique na yango n'a moulungé na yango. Na ba problème ya volant na ba piné o ezali na état moko délabré au fond rien n'a changé et rien ne va changer. J'aurais voulu à mon camp défendant que saluer arriver à moi sur le respect de la langue envers ba maman parce que ba basi bazale aussi compétente que ba mibali. Les femmes n'ont plus rien à prouver. Et les femmes n'ont plus rien à démontrer, bah, capables de tout faire. Mais il y a le Kamboya sexe, c'était. Soko tali maman Yohana, malam, elle est ni plus ni moins que sa maloukonde de version féminine. Félix, tu sais que dit, est resté fidèle dans la logique, il y a qu'on soit. Bah,
personnalité, toute ma personne, voulais-je dire, ma personne au Bazali totalement effacée à ses côtés. Vous voyez que ce qui au Sali analyse bien, il y a le lingue Félix a co-dirigé Mboka, qu'on remarquait en ce moment, était, il n'existe plus qu'une seule institution de la République. C'est l'institution président. Parlement existe à Kassoussouté. Pouvoir judiciaire existe à Kassoussouté. Nyonso Bayalina Makolo, il y a Félix Tshisekedi. C'est lui qui décide de tout. Bazali wana, parce que théoriquement, il faut bien situer ça là. Et donc, na logique oyo, Mama Judith, a yende comme ma ekulusu. D'ici une année, Bakochai Libanda et Félix Tshisekedi a comme misa isu basumi a échec nyonso. Comme toujours, Ndenga Zakina, Premier ministre Aliboso, Ndenga Zakina Sama Lukonde, Ndenga pa ko sa naye. Aussi, par rapport au Banger, oui, Banger, de Konangaï, va défier Ali Bélé. Défier Ali Bosso et Ali Guerre en Giste au Toko Sibir. Sama Lukonde, au Monaki et Ndenga Zalaki, c'est comme si, même pour Nakobima, Nanda Konaye, c'est comme s'il fallait que Félix Abengaye pour Nabima Nanda Konaye. Donc, on ne comprenait pas ce qu'il faisait exactement. Il avait même pris du poids dans un pays qui était en guerre. On se demandait comment... moi, je me suis toujours dit ainsi, que Nambo Kaloko la Congo, n'a pas de problème toi, Nango. Ce que Moni Moutaya, Aza président de la République à Congo, Aza Koya Mounene, c'est qu'il y a un problème. Parce que je ne veux pas, je ne vois pas comment on peut diriger le Congo sans avoir des insomnies. Je ne vois pas comment on peut être premier ministre du Congo et aller chez vous dormir normalement à l'heure prévue et puis on l'a moukipé aux akos au gagnant en kilo. Si les pays comme la France, Macron a 5 ans, Macron a banni qu'on vieillir. Tellement il doit réfléchir à beaucoup de choses à la fois. Et alors, qu'est-ce qu'il dit du Congo? Si le plan sécurité, ça ne va pas. Si le plan social ne déconangaï partout, dans l'entreprise, même parastatale, oyokoyoka. Les agents de l'État plaident chaque jour, les impairments partout. Dernièrement, j'étais avec le secrétaire général et le ministère, il y a Pétantique. Et pas Kibasa Kuna, c'est comme bon, on a vu ça, mais qu'il y a 460 millions de dollars. 4 mois, tu vas foutre à mater, puis mes alliés koyate. Ok, on attend des problèmes partout. Les enseignants plaident les nouvelles unités. Ok, la professeure d'université, ça les a continué à quitter. Dollar continue à prendre l'ascenseur, franc congolais a été dévissé, il a aussi la valeur. Inflation, il a été matobé. Par rapport à défi, ce que c'est ma perspective politique, okay, quelle est l'équipe gouvernementale qui a été dans la logique, il y a une élection chaotique, il y a similaire. Le chef de la parti, il y a un loyal na bango. On ne nomme pas les gens au gouvernement sur base de leurs compétences. Si base de leur moralité, bah on nomme bah si base à militantisme la partie, base à loyauté au chef de l'État et la pauvre dame. Aussi. Est-ce que géopolitique aussi? Et la pauvre dame va se retrouver avec des gens au Bakoya d'abord pour défendre bah clan. Bemba retient de leur bateau Bakoya pour défendre d'abord l'intérêt à Bemba. Quand bateau retient de leur bateau pour défendre l'intérêt à FDC pour bâti. Kamera kotinda ba ministre ba defana ba intérêt ba ya kamera ya ye mbosa kotinda pendengwana. Vous savez que 80% classe politique ba kota ki union sacrée. Pour être un opposant, il faut être vraiment un résistant, le corps de plein de politiques en opposition. Tous ba ya ki pona gâteau, bon gâteau c'est comme moqué. Donc ba to ba kobunda po ba kota na wenge wana ya union. Oh, madame Judith. Judith a causé la fondée du pouvoir. Ça dit que à cause d'un autour, il y a autour d'elle des loups. Et avec quelle vision? Sachez qu'il y a un slogan en ce moment dans l'Union sacrée. Il y a un slogan qui est le Kanakuna, Tokoyoka. Balobi, Oezali, Bor, Yasuka, Manda, Asuka. Donc, ce va passer dans mon aïe, battez la petite départ à autorité morale. Dans ce contexte-là, vous voyez la dame faire quoi? En sachant par-dessus tout que Félix Tshisekedi n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui faire de l'ombre. Donc, Madame Judith Azali Samaloukonde, version féminine. Très bien. A cause du rôle moko effacé et au demeurant, Félix Tshisekedi a goloba. Parce qu'elle est condamnée à échouer, elle ne fera absolument rien. Dans ce contexte ici,
Ineffable sur le mariage. Très bien. Et Félix Akoloba Omoni. Allez. Asayolo Komogote na Benganye. Allez. Na Chamoto Asika. Nenga Sakala Samalu Konde. Nenga Saraka na Viewana. Pepe Ilunkamba. Et Pepe Ilunkamba. Allez, Mwekasa, on termine avec vous. 6 minutes. C'est vrai. Et c'est pas le moment de juger la dame par rapport à Oyarosa la lobby. Tozava prophète à malheur, t'es. Mais à Outagina plan, après plan, les lobes apprécient confiance. Débat, c'est autour, il y a. Ben, enjeu, il y a Congo, c'est qu'on attend d'elle. Et puis, Moussa, là, ils ont zélaillé pour la Roussala. Et puis, le choix, Mokondi Amboka. C'est vrai, pour la toute première fois dans l'histoire, il y a Congo, champion, masculinité, tout ça. On est en français, beaucoup, mais ça pour m'a nommé Moisi. Mais ben, enjeu, maman, on a fois dans la bannière. Ailleurs, il y a Congo, hein. Congo, ils ont terrain à Milangi, arbitre à aveugle, les joueurs, les bêtes, les bottines, mais ballon, ils ont la forme à brique. Il faut à Kanisa. Ok. Nous, Kaliboso, comme Congolais, nous avons présenté ma félicitation à maman Judith pour l'accession à la primature. Au-delà de l'aspect symbolique, que Kaliboso, moi, si je suis premier ministre na Congo, défi est réel. Défi est réel. Contrairement à Bandeko Baza, pessimiste pour arriver à ye, Bamsousou Bazoloba, donnons-lui d'abord cette chance. Total est là, Namisala. Côté profil, je pense que Aza quand même n'a pas compétence pour n'a pas assumer fonction. Elle a fait de bonnes études. Et puis, à son expérience, il y a le système des Nations Unies, PNUD, avant de se retrouver dans le conseil, à veille, le conseil présidentiel de veille stratégique, et puis ministère à plan. Ministère à plan et Dakamoutou Azana a un aperçu général, il y a tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Ils ont déjà le commun mini primature, Mokobo. Et si quand on réflexion, ça, on a mis dans Italie. Gouvernement. Donc, et je pense qu'elle a été préparée par son parcours. Il y a comme Sika Komi. Mais seulement Congo et Zambo, Kamoko, le roi Moutouaza, séropositif. Ma maladie opportuniste est belle dans Zoto. Kotoaza, la fièvre, Kotoaza, le Kalibumu, Kotoaza, Moutou passe. Et on ne peut pas résoudre tous les problèmes du Congo en même temps. Ce qui a s'éparpillé, elle va échouer. Il faut à cibler où il y a mon qui est là, axe moko prioritaire. C'est vrai que le programme à gouvernement est tout à cadre mutu na imogote, Aza premier ministre, mais Azali chef il y a une majorité. Donc cette majorité va concevoir un programme de gouvernement où il y a Rosala porteur du programme Moana. Mais conseil nga la opé sa ye maman et l'oga li boso koyoka bioka yokate parce que na Congo bako bimiso ma phrase mou na TV pesio na découragement outil. Phrase zala préparer. Donc zala préparer à koyoka makambo yokate na vie. Mais surtout zala focus. Moutou nyonso, moukonzi nyonso, o aza mayele. Atiaka mayele wana na choua bato bali ko entouré. Barack Obama aloba. Je ne suis pas. Alors, je ne suis pas trop orgueilleux pour m'entourer des gens qui sont plus intelligents que moi. Ça veut dire que. Et le quoi, ça là qui, alors, qu'on s'entoure dans le bateau, dans la capacité où il y a quoi, comment. Aux ans, parcours, maman Judith. Tiens, peut mener dans le bateau, va compléter, au bisika, va prendre faible dans les alliés. Oh, yo moko yebi ke koto nga na kamaka cité o luki bato ba ko compléter on a point wana. Ce que landi népotisme. Oh, wana to yebani, oh wana to travaya o ko échouer. Au Congo, esa équation à plusieurs inconnus. Très bien. Pona équipe en fonction à bato ba ko apporter o yo moko zangi. Et lo ko mi balé. Pona deux axes. Tia énergie na yo. Tout en faisant ton travail, il y a coordination, il y a action gouvernementale, nyonso.
Mais aux yeux, il y a un balai où ils ont porté sur yo. Oh, dans 20 ans. Dans ma robe, il y a un solo. Que, ah, maman, j'ai dit tout le cas, les cacao. Babé, il y a un solo. Il y a un autre moment. Ce point, il y a un solo. Sur j'ai un solo. Il y a un solo. Tant on a dit moi. Bah, il y a un solo. Parce que tant on a Cyril Adoula comme un premier ministre. Aksa ki aksyon na ye kubunda kontre nzala. Yenda memaka ba bloko wana ba soso wana ba surjele mba la liboso yo kota na mboko. Yango ba pesa wango kombwa soso ye bebe adula. Donc, oko ko akse sur eloko moko, oye ko osala ete nzala na mboko yo. D'abord, sur le plan ekonomik, nzala ye kita. Mama, Kinshasa seza entoure na ba plen. Soko bimika ka wa au revoir Kinshasa songe kene kasangulu. Ta la ba peter fertile. Ba ma bele sauva ba benga oni ba herbe sauvage zo okola. Soko lekia wanzela ko kende bandu plateau de bateke. Oko yo ko concentré ba fort na yo. Sur Babilo kwa nengwana. Pour avoir travaillé na plus aux ana expérience ya gestion axée sur les résultats. Gar. Tiens ngona misala ou fixer ba objectif na yo. Contrôle régulier na suivi. Et puis yelo kwa suka. Ba politicien congolais ba kokaka na bango ko sambourgeoisie te. De komesani na mbongo ebele ba bosanaka. Sala en sorte que mbongo, bon ki primature na Congo ko simba mbongo simba te na vie hein. E bungi sa ba objectif te. Très bien. Allez, on va terminer par ici. Na lingi na ebisa mama, tiela ngai photo ya mama, na ebisa mama Judith, mama Judete. Maman ministre, maman premier ministre, na pesi yo ba félicitations. Na bwa ke li yo ba fleur, na ndenge ba sali yo confiance, ba komisi yo premier ministre. Pour la toute première fois na histoire ya bana na biso, esengeli ba tanga yango, bana ba yeko, la ba yeba, to yeko la histoire amboka na biso, to ba mwasi ya liboso akomaka, maman oyo komo na Judith Tuluka, azamu to Congo Central. To bwa ke li yo ba fleur. Mais tolingi to ebisa yo ke ndenge yo komi premier ministre eloko to zele pa na yo mama eza ba explication te koya ko ebisa biso te kanu no film vous fit biso toza kozela explication te oyo ko kuta gouvernement oyo za ko hériter na gestion oyo bango batikeli yo eza ba gestion moko presque eza na morgue. Il faut payer sa makasi pour battre bazonga na bomoi. Mais tout dépendra na ndenge bosa la composition ya gouvernement. Nani bokotia ministre intérieur. Parce qu'on a un problème d'insécurité. Koulou nezo si la tête il est low. Koulou nezo aussi la tête. Batu bazonga kola na banda kuna bangote. Ba question na ka yondo ko résoudre yango. Nani bakotia la yo ministre intérieur. Nani yo yo ko pona loko la ministre intérieur oya ko ko matérialiser pour sécurité ya bato ezala ozoya pe na mboko yo policier azana mutukate okobi premier ministre na ta oyo policier des fois azoka même carburant na station ozoya na tango oyo policier azana bâtiment place osala musala te basala na souci ya manzanza eza ba problème yo faut résoudre ozoya na héros yo problème ya agriculture ezali. Batubaza na rarete ya dare alimentaire. Nga na kenda businga, na kei babikoro, na ke bambujima iba place ebele na tamboli, batubaza na problemi ya kolia. Koneksyon na Kongo ezalite, na komangi na businga, pona kene na Guadolite, nzela kukende zalakite, aloke za 144 kilometre. Ifo ko konekte Kongo a traver ba province na nzela, pe permetre moto alongwa poe X a kenango na Y. Eza ba dosye oyo za kukuta. Oza kukuta pe ba dosye, ya batu oyo na logique na mboka na biso bako yiko za suba membre ya gouvernement te po ba yibaka ba na moralité malamu te ba komisa gouvernement au politique loko la commerce pour na bango batu ba za su na place te mais loko na zo banga soki ba cheli yo ministre ya finance loko Nicolas na yibito ko suka ndenge nini est-ce que ko s'en sortir parce que na ba information na zana ngo même sans maluko ne ayi du mal. Parce que Nicolas Zagui ministre à finance. Soki Nicolas Kazadazongi ministre à finance. Namou le roi liba bepo na yo. Na ebite soko ko s'en sortir. Menza basunga yo. Peut-être na management moussous. Et loko to zela yo, otoko ye bezali capacité à ko mobiliser mbongo. Na lo lenge ya ko affecte yango na ba priorité. Ma priorité. Di loko population azo zela. Population ti le lo azo zela nzala. Nanou aliete.
ba bateau de pêche ba Thomson nyonso ba lobaki ba soso eloko moko tomoni na noté population za kozela yango ba nzela ya sika bato bazozela bazuna noté ba côté musu ne toza bona Congo mai ezaka ya mabulu mai ezalite toza la problème ya courant ekoma kate eza ba défi bato bazako zela ba condition ya ba transport le lot transport ekomi presque to kwa ezo kufa bato bazozela otala ndenge nini yo kosala po likambo yango etambola ba pigme pe ba tieli omote ba bato ayimbo bato ayikita baza kozela pelo lenge ni osala makamu oyeko kuta mboko avion ezate toza na avion te ifo lukokota avion soke avion ezalite matata tikaka ba avion ba avion ane kufi lelo ifo zong za ba avion eza ba defio ba tuwaza kozela nini okuya nangu ya sika otoko tika la katoloba yebaka soki yo baby si mwaza kozala supwe ministre na mboko yote olana okazwa ko sove pona kobongisa base ya fituri ya basi nyonso bakoya ma premier ministre dans les jours à venir ou ma président de la république mama na linga ki oyeba sozo ke na nzela za momoni soso na tabambo ke za lisu musikate biso bato vandi a tozo ye biso makambo yo zo nango vous n'avez pas droit à l'erreur et surtout koza na mandat ya suka Félix Tshisekedi constitutionnellement à moins qu'a modifier constitution. Mais soit tu tigali na logique ya constitution mandat ya suka yango nini toko tikala nango na souvenir na yo mam bakoyela ba toi géopolitique donc yo kozalaka na Jean Lycée Bousso le roi ministre ya commerce extérieur pour résultat aux huité ba ministre ya ndenge na ndenge bazalia ba ba pesi résultat géopolitique de pesi résultat mama composition gouvernement et kozala recommandation ya les amis de les ressortissants de Muto balinga kimingi ne bakozongisa to okoya na bateau yebi bako peso resultat nini tozo zela ipa nayo tozo zela pa nayo cohésion nationale tozo zela pe pa nayo oza moto singelo sangisa bato mama bomba kabana na se ya mapapu yo fo sangisa bato est-ce que ozala mesure ko sangisa biso so ko sali yango biso nyoso toko sepela toko boya te toko ndima le climat d'affaires makambu ya douane na Congo eleki ebele diaspora zoko akoya isusu atena biloko moi ko sala commerce ezate douane eleki ebele toze la pe douane kita mama toko tala ndenge nini yo ko sala na politique nayo na zone ndima ke okoki ko sala bien que na doutaki bati ya mwasi eloko la ba pe sio confiance to bogele ba fleur on verra comment est-ce que yo ko agir o pe sa biso resultat ko bosa na sécurité te parce que la paix n'a pas de prix ata moto ali ete mazana ndenge na kolala question M23 ezoze la yo okuta pe nanga pe azako zela yo ndenge nini boko sala makambo wana po pe sa biso resultat IGF akokanga batu na ba rapport na ye akotinda ngona ministère ya justice ministère ya justice soko kozala ministre ya justice kaka mama oyo azali amuninga na yo to kozala na mama mususu to kozala na papa na ebite resultat kozala nini babando kanga ka batu batu babimi bazu ba liberté provisoire bakeyi bazokanga batu batu ezo koyeba na te batu bazako yiba baza libre batu bazoyiba te bazokanga bango ozokuta pe dossier ya ba prison plus de 15 000 personnes, ce qui 11 000 ou 15 000 selon ma statistique, ou batoumaza koloba. Eza ya koutonda. Bokotonga prison ya sika, ba défi ezali énorme. Mais c'est toujours dit que ou sala quelque chose. Biso tolo baganga la zamu Congo. Biso tolo bagamu diamburi mon, enani. Ah, na bakongo tolo bagasu se loko nini. Aya, aya. Mamona mboa, mafuela kumbondo. On va voir. Tolo talaka nene tozali. Bonne chance na yo mama. On verra. Mais ou kouta ba opposa lo kwa ba epenge, ou kouti fayoulou. Na noza premier ministre eto ka fayulu azoloba okoka pe fayulu azoloba okoka pe na marche okoka pe banalize abatebele bele kimia na mabota bonne chance on va se retrouver demain à très bientôt UBC UBC université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa à côté des facultés déjà existantes sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit. L'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions pour une carrière réussie. Pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique
à la pointe du numérique. Un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne bien équipée. UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du troisième cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00 243 81 60 00634 00 243 90 61 61 088 UBC. Une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le Centre Belco Congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Penseur ultra-moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalate. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.